Want to speak real French from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at FrenchPod101.com. In this video, you will listen to each dialogue twice one version without the conversation's text, and one version with subtitles to read along with. Test your listening comprehension skills with this video. Ready? Excusez-moi, je voudrais jeter un œil sur ce livre, sur cette étagère. Quel livre voulez-vous Le livre sur les voitures. Un moment, s'il vous plaît. Celui-ci C'est ça. Et voilà. Excusez-moi, je voudrais jeter un oeil sur ce livre sur cette étagère. Quel livre voulez-vous Le livre sur les voitures. Un moment, s'il vous plaît. Celui-ci C'est ça. Et voilà. Que voulez-vous commander La pizza a l'air délicieuse. Je vais prendre ça. J'ai déjà mangé une pizza hier, donc. Ah, et pourquoi pas ce hamburger Ça m'a l'air bien. Je prends ça. Que voulez-vous commander La pizza a l'air délicieuse. Je vais prendre ça. J'ai déjà mangé une pizza hier, donc. Ah, et pourquoi pas ce hamburger Ça m'a l'air bien. Je prends ça. Bonjour. Comment puis-je vous aider Vous êtes ouvert jusqu'à quelle heure Jusqu'à 6 heures. Mais il est préférable de venir avant 17h30. Très bien, ok. Bonjour, comment puis-je vous aider Vous êtes ouvert jusqu'à quelle heure Jusqu'à 6h, mais il est préférable de venir avant 17h30. Très bien, ok. Il a fait très beau aujourd'hui. Je suis allé à la piscine cet après-midi et je suis allé voir un film ce soir. J'ai aussi étudié ce matin. C'était une très bonne journée. Il a fait très beau aujourd'hui. Je suis allé à la piscine cet après-midi et je suis allé voir un film ce soir. J'ai aussi étudié ce matin. C'était une très bonne journée. C'est la photo de l'équipe de foot de ton fils Il est où Il est là. Oh et c'est le plus grand de l'équipe. Il est plus grand que moi. C'est la photo de l'équipe de foot de ton fils Il est où Il est là. Oh, et c'est le plus grand de l'équipe. Il est plus grand que moi. Et si nous allions voir un film samedi prochain Avec plaisir, mais j'ai un emploi à mi-temps le matin. Ah, quelle heure allez-vous terminer votre emploi à mi-temps Je vais finir à deux heures. Alors, rencontrons-nous au café à trois heures et allons voir un film à quatre heures. OK. Et si nous allions voir un film samedi prochain Avec plaisir, mais j'ai un emploi à mi-temps le matin. À quelle heure allez-vous terminer votre emploi à mi-temps Je vais finir à deux heures. Alors, rencontrons-nous au café à trois heures et allons voir un film à quatre heures. Ok. Mmh, vous pensez que quelle chemise elle a mieux La blanche ou la bleue Eh bien. Je pense que la bleue est bien. Elle va bien avec votre veste grise. Vous pensez Mais elle ne va pas bien avec ma cravate rouge, non Euh... Oui, c'est vrai. Je suis d'accord avec vous. Ok. Alors je vais prendre la blanche, pas la bleue. Hum... Mmh, vous pensez que quelle chemise elle a mieux la blanche ou la bleue Eh bien, je pense que la bleue est bien. Elle va bien avec votre veste grise. Vous pensez Mais elle ne va pas bien avec ma cravate rouge, non Euh... Oui, c'est vrai. Je suis d'accord avec vous. Ok. Alors je vais prendre la blanche, pas la bleue. Excusez-moi. Je peux avoir le menu spécial hamburger? Oui, bien sûr. Choisissez entre salade et frites, s'il vous plaît. Salade, s'il vous plaît. Ok, choisissez votre boisson, s'il vous plaît. Un coca, s'il vous plaît. Excusez moi. Je peux avoir le menu spécial hamburger? Oui, bien sûr. Choisissez entre salade et frites, s'il vous plaît. Salade, s'il vous plaît. OK. Choisissez votre boisson, s'il vous plaît. Un coca, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous allons faire un gâteau. Tout d'abord, mélangez le beurre et le sucre. Ensuite, ajoutez deux œufs et mélangez-les bien. Ajoutez la farine et mélangez-la légèrement. Mettez la pâte dans le four et laissez-la cuire pendant 50 minutes. C'est tout. Aujourd'hui, nous allons faire un gâteau. Tout d'abord, mélangez le beurre et le sucre. Ensuite, ajoutez deux œufs et mélangez-les bien. Ajoutez la farine et mélangez-la légèrement. Mettez la pâte dans le four et laissez-la cuire pendant 50 minutes. C'est tout. Que voulez-vous faire aujourd'hui Je veux aller voir un film. Ok. Moi, je veux regarder. Un match de baseball à la télé. Je veux aussi aller faire du shopping. Le match de baseball commencera à 1h de l'après-midi. Ok, donc allons voir le film d'abord et ensuite vous pourrez regarder le match de baseball. Très bien. Et nous allons faire du shopping ce soir. Que voulez-vous faire aujourd'hui Je veux aller voir un film. Ok, moi je veux regarder un match de baseball à la télé. Je veux aussi aller faire du shopping. Le match de baseball commencera à 1h de l'après-midi. Ok, donc allons voir le film d'abord et ensuite vous pourrez regarder le match de baseball. Très bien, et nous allons faire du shopping ce soir. Je n'ai pas vraiment tout compris du cours d'aujourd'hui. Bien sûr. Avez vous des questions? Oui, j'en ai pas mal. Avez vous du temps maintenant? Je suis un peu occupé maintenant. Venez à mon bureau dans l'après midi, s'il vous plaît. J'y serai entre une heure et quatre heures. Très bien. Je serai là à deux heures. Je n'ai pas vraiment tout compris du cours d'aujourd'hui. Bien sûr. Avez-vous des questions Oui, j'en ai pas mal. Avez-vous du temps maintenant Je suis un peu occupé maintenant. Venez à mon bureau dans l'après-midi, s'il vous plaît. J'y serai entre une heure et quatre heures. Très bien. Je serai là à deux heures. Voulez-vous prendre un café ou un dessert après le repas Quel dessert avez-vous Nous avons du pudding et de la tarte aux pommes. Hmm, en fait, je veux seulement un café, s'il vous plaît. Voulez-vous du sucre et du lait Apportez-le avec du lait, s'il vous plaît. Voulez-vous prendre un café ou un dessert après le repas. Quel dessert avez-vous? Nous avons du pudding et de la tarte aux pommes. Hmm, en fait, je veux seulement un café, s'il vous plaît. Voulez-vous du sucre et du lait? Apportez-le avec du lait, s'il vous plaît. Salut. Désolé, mais je vais être en retard de 30 minutes. Ok, je t'attends au café. Un café Il est où Il est à côté de la librairie. Il y a une boulangerie en face. Très bien. Salut. Désolé, mais je vais être en retard de 30 minutes. Ok, je t'attends au café. Un café Il est où Il est à côté de la librairie. Il y a une boulangerie en face. Très bien. As tu déjà planifié tes vacances d'été? Pas encore. Je pense que j'aimerais aller à la mer ou à la montagne. Je vais à la mer avec mes amis. Nous allons faire du surf. C'est sympa. Pourquoi ne viens tu pas avec nous? Ce serait amusant. Oui, je viens avec vous. As-tu déjà planifié tes vacances d'été Pas encore. Je pense que j'aimerais aller à la mer ou à la montagne. Je vais à la mer avec mes amis. Nous allons faire du surf. C'est sympa. Pourquoi ne viens-tu pas avec nous Ce serait amusant. Oui, je viens avec vous. Ah, j'ai faim. As-tu pris le petit déjeuner oui, je l'ai pris, mais seulement un peu. Qu'as tu mangé? Un yaourt et du café. C'est trop peu. Tu devrais aussi manger du pain et des fruits. Ah. J'ai faim. As tu pris le petit déjeuner? Oui, je l'ai pris, mais seulement un peu. Qu'as tu mangé? Un yaourt et du café. C'est trop peu. Tu devrais aussi manger du pain et des fruits. Excusez moi, où sont les vêtements pour enfants? Ils sont au cinquième et sixième étage. Vous avez aussi des vêtements pour bébés? Oui, nous avons beaucoup de vêtements pour bébés au sixième étage. Merci beaucoup. Je vais aller regarder là-bas. Excusez moi. Où sont les vêtements pour enfants Ils sont au cinquième et sixième étage. Vous avez aussi des vêtements pour bébés Oui, nous avons beaucoup de vêtements pour bébés au sixième étage. Merci beaucoup, je vais aller regarder là-bas. Ton anniversaire est vraiment bientôt Oui, c'est après-demain. Tu vas avoir quel âge je vais avoir soixante ans. Félicitations, célébrons cela. Merci beaucoup. Je suis très reconnaissant. Ton anniversaire est vraiment bientôt. Oui, c'est après-demain. Tu vas avoir quel âge? Je vais avoir soixante ans. Félicitations, célébrons cela. Merci beaucoup. Je suis très reconnaissant. J'aime les deux, la jupe bleue et la jupe blanche. Oui, la jupe blanche se vend très bien. La bleue est un peu chère. Oui, c'est vrai, mais elle vous va. Hmm, je n'ai pas les moyens pour les deux. Je vais acheter la blanche. OK, merci beaucoup. J'aime les deux, la jupe bleue et la jupe blanche. Oui, la jupe blanche se vend très bien. La bleue est un peu chère. Oui, c'est vrai, mais elle vous va. Hmm. Je n'ai pas les moyens pour les deux. Je vais acheter la blanche. Ok, merci beaucoup. La fête va avoir lieu demain. Qui vient à la fête Nous deux, deux de mes amis et le professeur. Ça fait donc cinq. Oh Et le professeur vient avec sa femme. Très bien. La fête va avoir lieu demain. Qui vient à la fête Nous deux, deux de mes amis et le professeur. Ça fait donc cinq. Oh. Et le professeur vient avec sa femme. Très bien. Le lit est grand. Oui, je ne peux pas le mettre vers la porte. Mettons-le au fond de la chambre. Est-ce mieux de le mettre au milieu Non, mettons-le dans le coin. Ok, ça sonne bien. Tu peux m'aider à le soulever Le lit est grand. Oui, je ne peux pas le mettre vers la porte. Mettons-le au fond de la chambre. Est-ce mieux de le mettre au milieu Non. Mettons-le dans le coin. Ok, ça sonne bien. Tu peux m'aider à le soulever Sign up for your free lifetime account at FrenchPod101.com. In this video, you will listen to each dialogue twice. One version without the conversation's text, and one version with subtitles to read along with. Test your listening comprehension skills with this video. Ready? Puis-je vous aider? Je cherche un cadeau d'anniversaire pour mon épouse. Vous pouvez me conseiller? Bien, que pensez-vous de ce collier Hum, mmh, il a l'air un peu long. Et cela Nous en avons un avec un pendentif en forme de fleur et un en forme de cœur. Je recherche quelque chose d'un peu plus sophistiqué. À combien est ce collier de perles là-bas Il fait 5000 euros. Hum, mmh, c'est trop cher. Ok. Je vais prendre le premier. Très bien, voilà. Puis-je vous aider Je cherche un cadeau d'anniversaire pour mon épouse. Vous pouvez me conseiller Bien, que pensez-vous de ce collier Hum, mmh, il a l'air un peu long. Et cela Nous en avons un avec un pendentif en forme de fleur et un en forme de cœur. Je recherche quelque chose d'un peu plus sophistiqué. À combien est ce collier de perles là-bas Il fait 5000 euros. Hum, mmh, c'est trop cher. Ok, je vais prendre le premier. Très bien, voilà. Où devrions-nous mettre la nouvelle imprimante Hum, mmh, je pense qu'on devrait la mettre là où se trouve l'ancienne. Mais elle fonctionne encore. On va continuer à l'utiliser. Ok, donc on ne peut pas mettre la nouvelle là C'est dommage. Ça aurait été bien d'avoir la nouvelle dans l'étagère près de la porte, mais il n'y a de place que pour une seule imprimante. Ok, je pense qu'on devrait la mettre de l'autre côté de la pièce. Très bien. Pourquoi pas à côté de la fenêtre Ça me semble bien. Où devrions-nous mettre la nouvelle imprimante? Hmm, je pense qu'on devrait la mettre là où se trouve l'ancienne. Mais elle fonctionne encore. On va continuer à l'utiliser. Ok, donc on ne peut pas mettre la nouvelle là. C'est dommage. Ça aurait été bien d'avoir la nouvelle dans l'étagère près de la porte, mais il n'y a de place que pour une seule imprimante. Ok. Je pense qu'on devrait la mettre de l'autre côté de la pièce. Très bien. Pourquoi pas à côté de la fenêtre Ça me semble bien. Coucou, je rentre à la maison. Ok, tu pourrais acheter un truc en passant Bien sûr. Tu veux que je prenne quoi On a besoin de lait et de pain pour demain matin. Lait et pain compris. Combien de briques de lait une, ça ira, je pense. Ok, autre chose Une seconde. Je regarde s'il y a encore du beurre. Ok, on en a. Très bien. Il reste des bières Oui, il y en a encore une bouteille. Ok, donc inutile d'en acheter maintenant. Oui, je pense que c'est bon. Merci. Coucou, je rentre à la maison. Ok, tu pourrais acheter un truc en passant Bien sûr. Tu veux que je prenne quoi On a besoin de lait et de pain pour demain matin. Lait et pain compris. Combien de briques de lait Une, ça ira, je pense. Ok, autre chose Une seconde. Je regarde s'il y a encore du beurre. Ok, on en a. Très bien. Il reste des bières Oui, il y en a encore une bouteille. Ok, donc inutile d'en acheter maintenant. Oui, je pense que c'est bon. Merci. Nous aurons beau temps toute la matinée. Dans l'après-midi, les nuages se montreront et il pleuvra dans la soirée. La pluie sera présente toute la nuit jusqu'à demain matin très tôt, jusqu'au lever du soleil. Nous aurons beau temps toute la matinée. Dans l'après-midi, les nuages se montreront et il pleuvra dans la soirée. La pluie sera présente toute la nuit jusqu'à demain matin très tôt, jusqu'au lever du soleil. On a reçu quelques nouveaux modèles pour la carte de visite de l'entreprise. Laquelle conviendrait le mieux à ton avis Voyons ça. Je pense que le nom de l'entreprise devrait être plus gros. Ok, donc ça serait une de celles-ci Oui. J'aime celle-ci parce que le nom de l'entreprise est gros et en haut. Il y en a une avec un espace pour une photo. Qu'en penses-tu Hum, je pense que ça réduit trop la taille du texte. Ouais, le texte va être un peu difficile à lire à cause de l'image. Ok, donc on va prendre l'autre. On a reçu quelques nouveaux modèles pour la carte de visite de l'entreprise. Laquelle conviendrait le mieux à ton avis Voyons ça. Je pense que le nom de l'entreprise devrait être plus gros. Ok, donc ça serait une de celles-ci Oui, j'aime celle-ci parce que le nom de l'entreprise est gros et en haut. Il y en a une avec un espace pour une photo. Qu'en penses-tu Hum. Mmh, je pense que ça réduit trop la taille du texte. Ouais. Le texte va être un peu difficile à lire à cause de l'image. Ok, donc on va prendre l'autre. Excusez moi, savez vous s'il y a un arrêt de bus près d'ici? Oui, il y en a un. Allez d'abord tout droit, puis tournez à droite au deuxième feu de signalisation. Ensuite, tournez à gauche à l'angle d'une librairie, et vous pourrez voir une banque. L'arrêt de bus se trouve devant la banque. D'accord. Merci beaucoup. Où se trouve l'arrêt de bus? Excusez moi, savez vous s'il y a un arrêt de bus près d'ici? Oui, il y en a un. Allez d'abord tout droit, puis tournez à droite au deuxième feu de signalisation. Ensuite, tournez à gauche à l'angle d'une librairie, et vous pourrez voir une banque. L'arrêt de bus se trouve devant la banque. D'accord. Merci beaucoup. Nous allons avoir une réunion avec Michael de notre bureau de New York cet après-midi. Savez-vous s'il reste des boissons Nous avons du café. Hum, Michael ne boit pas de café. Avons-nous de l'eau en bouteille Oui, je pense qu'il en reste. Excellent. Très bien. Vous désirez quelque chose je vais prendre la même chose, moi aussi. Nous allons avoir une réunion avec Michael de notre bureau de New York cet après-midi. Savez-vous s'il reste des boissons Nous avons du café. Hum, Michael ne boit pas de café. Avons-nous de l'eau en bouteille Oui, je pense qu'il en reste. Excellent, très bien. Vous désirez quelque chose Je vais prendre la même chose, moi aussi. Excusez-moi, je cherche un ordinateur très léger. OK. Que diriez-vous de celui-ci Il est très fin et léger. Il est joli. Pouvez-vous regarder des DVD sur cet ordinateur Je crains que non. Vous pouvez regarder des DVD sur celui-là, mais il est un peu plus grand et plus lourd. Hmm, ouais, il est trop lourd. Je vais acheter le premier. Merci beaucoup. Vous pouvez le choisir en blanc, noir ou argenté. J'en veux un noir. Excusez-moi, je cherche un ordinateur très léger. Ok. Que diriez-vous de celui-ci? Il est très fin et léger. Il est joli. Pouvez-vous regarder des DVD sur cet ordinateur? Je crains que non. Vous pouvez regarder des DVD sur celui-là mais il est un peu plus grand et plus lourd. Mmh, ouais, il est trop lourd. Je vais acheter le premier. Merci beaucoup. Vous pouvez le choisir en blanc, noir ou argenté. J'en veux un noir. Tu pars en voyage la semaine prochaine, n'est-ce pas Oui, je pars à Londres mardi. Je resterai là-bas pour deux nuits. Et ensuite, tu vas à Istanbul Oui. Je vais à Istanbul jeudi et j'y reste la nuit. Puis, je rentre à la maison. Donc, tu peux te joindre à nous pour la réunion de samedi, n'est-ce pas Oui, je peux. Tu pars en voyage la semaine prochaine, n'est-ce pas Oui, je pars à Londres mardi. Je resterai là-bas pour deux nuits. Et ensuite, tu vas à Istanbul Oui, je vais à Istanbul jeudi. Et j'y reste la nuit. Puis, je rentre à la maison. Donc, tu peux te joindre à nous pour la réunion de samedi, n'est-ce pas? Oui, je peux. Merci pour votre appel. Ici, Station Pizza. Bonjour. Je pourrais avoir une pizza à l'ail et aux tomates. Une pizza à l'ail et aux tomates, OK. Quelle taille? La grande taille. Et coupez-la en huit, s'il vous plaît. Bien sûr. Vous désirez autre chose? Oui. Je vais prendre quatre breadsticks et deux canettes de coca. Très bien. Nous allons vous la livrer dans environ 40 minutes. Merci pour votre appel. Ici Station Pizza. Bonjour. Je pourrais avoir une pizza à l'ail et aux tomates. Une pizza à l'ail et aux tomates, OK. Quelle taille? La grande taille. Et coupez-la en huit, s'il vous plaît. Bien sûr. Vous désirez autre chose Oui. Je vais prendre quatre breadsticks et deux canettes de coca. Très bien. Nous allons vous la livrer dans environ quarante minutes. Excusez-moi. Vous êtes ouvert jusqu'à quelle heure Nous sommes ouverts jusqu'à vingt-trois heures, mais la dernière commande est à vingt-deux heures. Ah, bien. J'ai pensé que vous étiez déjà fermé, comme il est tard. Avant, nous fermions à 22 heures, mais nous avons rallongé le temps d'ouverture. Oh, je vois. Mais nous fermons le restaurant à 21 heures les dimanches. Ok, j'ai compris. Excusez-moi. Vous êtes ouvert jusqu'à quelle heure Nous sommes ouverts jusqu'à 23 heures. Mais la dernière commande est à vingt-deux heures. Ah bien, j'ai pensé que vous étiez déjà fermé comme il est tard avant nous fermions à vingt-deux heures, mais nous avons rallongé le temps d'ouverture. Oh, je vois, mais nous fermons le restaurant à vingt et une heures les dimanches. Ok, j'ai compris eh qu'est-ce que tu penses de cet aspirateur? Je pense qu'il a l'air joli. Tu vas le commander. Oui, je vais le faire. Cela prendra deux ou trois jours à être livré. Nous devrions spécifier la date. Que penses-tu de samedi prochain? Nous allons jouer au tennis tôt samedi matin. Ah oui, c'est vrai. Dans ce cas, dimanche est meilleur. Ok, je vais faire ça. Et puis n'oublie pas de rentrer tôt vendredi soir, parce que nous partirons tôt samedi matin. Je sais. Eh. Hey, Qu'est-ce que tu penses de cet aspirateur Je pense qu'il a l'air joli. Tu vas le commander Oui, je vais le faire. Cela prendra deux ou trois jours à être livré. Nous devrions spécifier la date. Que penses tu de samedi prochain Nous allons jouer au tennis tôt samedi matin. Ah. Oui, c'est vrai. Dans ce cas, dimanche est meilleur. Ok, je vais faire ça. Et puis n'oublie pas de rentrer tôt vendredi soir, parce que nous partirons tôt samedi matin. Je sais. Très bien, je vais vous donner trois sortes de médicaments. Prenez-les après le dîner, tous les jours, s'il vous plaît. Ok. Vous devez prendre deux décomprimés de forme ronde, une capsule et une dose de médicaments en poudre à la fois. Bien sûr. Je vais vous donner une prescription pour trois jours. Revenez si vous ne vous sentez pas mieux dans trois jours, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup. Bon rétablissement. Très bien, je vais vous donner trois sortes de médicaments. Prenez-les après le dîner tous les jours, s'il vous plaît. Ok. Vous devez prendre deux décomprimés de forme ronde, une capsule et une dose de médicaments en poudre à la fois. Bien sûr je vais vous donner une prescription pour trois jours. Revenez si vous ne vous sentez pas mieux dans trois jours, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup. Bon rétablissement. Pourquoi ne viens tu pas à la maison un jour ou l'autre bientôt? Merci, mais je me sens un peu nerveuse. J'aimerais en savoir plus sur ta famille avant de les rencontrer. Bien sûr. Mon père est un employé de bureau, et son passe-temps est la pêche. Ma mère est femme au foyer et très bonne en cuisine. Tu as des frères ou sœurs Oui, j'ai une grande sœur et un petit frère. Ma sœur est mariée et habite à l'étranger. Mon frère est lycéen. Tu as une belle famille. J'adorerais les rencontrer et leur parler. Pourquoi ne viens-tu pas à la maison un jour ou l'autre bientôt Merci. Mais je me sens un peu nerveuse. J'aimerais en savoir plus sur ta famille avant de les rencontrer. Bien sûr. Mon père est un employé de bureau et son passe-temps est la pêche. Ma mère est femme au foyer et très bonne en cuisine. Tu as des frères ou sœurs Oui, j'ai une grande sœur et un petit frère. Ma sœur est mariée et habite à l'étranger. Mon frère est lycéen. Tu as une belle famille. J'adorerais les rencontrer et leur parler. Bonjour. Vous cherchez des lunettes? Oui, mes yeux sont devenus assez mauvais dernièrement. Très bien. Vous préférez le même modèle que vous portez maintenant? Eh bien. J'ai porté des lunettes de forme carrée pendant longtemps donc j'aimerais essayer un modèle différent. Bien sûr. Que pensez vous de ces rondes? Hum, je ne pense pas qu'elles conviennent à mon visage. Je vais prendre la même forme que mes lunettes actuelles. Vous en avez avec des montures noires? Certainement. Que pensez vous de celles là? Oui, j'aime bien. Je vais les prendre. Bonjour. Vous cherchez des lunettes? Oui, mes yeux sont devenus assez mauvais dernièrement. Très bien. Vous préférez le même modèle que vous portez maintenant? Eh bien, j'ai porté des lunettes de forme carrée pendant longtemps, donc j'aimerais essayer un modèle différent. Bien sûr. Que pensez-vous de ces rondes? Hum. Je ne pense pas qu'elles conviennent à mon visage. Je vais prendre la même forme que mes lunettes actuelles. Vous en avez avec des montures noires? Certainement. Que pensez vous de celles là? Oui, j'aime bien. Je vais les prendre. Je suis désolée mais pouvez vous annuler mon rendez vous d'aujourd'hui, s'il vous plaît? Bien sûr. Voulez vous le changer pour une date différente? Oui. Que pensez vous de ce samedi? Je préfère le matin. J'ai bien peur que nous soyons complets ce samedi. Par contre, nous pouvons vous mettre pour samedi prochain. C'est un peu loin d'aujourd'hui. Et jeudi, en fin d'après-midi? Oui, nous sommes disponibles à cinq heures et six heures. Je vois alors six heures, s'il vous plaît? Bien sûr, pas de problème. Je suis désolé, mais pouvez vous annuler mon rendez vous d'aujourd'hui, s'il vous plaît? Bien sûr. Voulez-vous le changer pour une date différente? Oui. Que pensez-vous de ce samedi? Je préfère le matin. J'ai bien peur que nous soyons complets ce samedi. Par contre, nous pouvons vous mettre pour samedi prochain. C'est un peu loin d'aujourd'hui. Et jeudi, en fin d'après-midi? Oui, nous sommes disponibles à cinq heures et six heures. Je vois alors six heures, s'il vous plaît. Bien sûr. Pas de problème. J'ai hâte pour la fête de dimanche. Moi aussi. Viens à 12 heures, s'il te plaît. Oui, le numéro de ton appartement est le 1018, n'est-ce pas Oui, c'est ça. Ma résidence a deux immeubles, Est et Ouest. Mon appartement est le 1018 de l'immeuble Est. Je vois. Appelle-moi si tu as des questions. Oui, je vais le faire. Merci. J'ai hâte pour la fête de dimanche. Moi aussi. Viens à 12 heures, s'il te plaît. Oui, le numéro de ton appartement est le 1018, n'est-ce pas Oui, c'est ça. Ma résidence a deux immeubles, Est et Ouest. Mon appartement est le 1018 de l'immeuble Est. Je vois. Appelle-moi si tu as des questions. Oui, je vais le faire. Merci. Bonjour, comment puis-je vous aider Je voudrais emprunter ces DVD, s'il vous plaît. Trois au total. Vous pouvez avoir une réduction si vous en empruntez cinq. Ah bon Mais je n'ai pas le temps d'en regarder autant, donc je vais en prendre seulement trois. Nous offrons une réduction spéciale en ce moment. Et vous pouvez les garder une semaine de plus. Oh, vraiment? Ok. Alors, laissez-moi en chercher deux de plus. Bonjour, comment puis-je vous aider? Je voudrais emprunter ces DVD, s'il vous plaît. Trois au total. Vous pouvez avoir une réduction si vous en empruntez cinq. Ah bon? Mais je n'ai pas le temps d'en regarder autant, donc. Je vais en prendre seulement trois. Nous offrons une réduction spéciale en ce moment, et vous pouvez les garder une semaine de plus. Oh. Vraiment? Ok. Alors laissez moi en chercher deux de plus. Tu sais quelle heure il est? Désolé, j'ai oublié ma montre aujourd'hui. Je vois. Je suis inquiet à propos d'arriver à l'heure au train. Oh. Il y a une horloge à l'entrée de la gare. Bien. Oh non. Le train arrive dans cinq minutes. C'est le train de dix heures, n'est-ce pas? Oui. Nous ferions mieux de nous dépêcher. Tu sais quelle heure il est? Désolé, j'ai oublié ma montre aujourd'hui. Je vois. Je suis inquiet à propos d'arriver à l'heure au train. Oh. Il y a une horloge à l'entrée de la gare. Bien. Oh non. Le train arrive. Dans cinq minutes. C'est le train de 10 heures, n'est-ce pas? Oui. Nous ferions mieux de nous dépêcher. Avez-vous des places disponibles pour le vol de demain soir? Un instant, s'il vous plaît. C'est pour la classe économique? Oui. Merci d'avoir attendu. Oui, il nous reste toujours des places. Ah, bien. J'aimerais une place au couloir, s'il vous plaît. J'ai bien peur que toutes les places au couloir soient déjà prises. Je vois mais je ne veux pas être assis au milieu. Alors voulez vous une place à la fenêtre? Oui, s'il vous plaît. Avez vous des places disponibles pour le vol de demain soir? Un instant, s'il vous plaît. C'est pour la classe économique? Oui. Merci d'avoir attendu. Oui, il nous reste toujours des places. Ah bien. J'aimerais une place au couloir, s'il vous plaît. J'ai bien peur que toutes les places au couloir soient déjà prises. Je vois, mais je ne veux pas être assis au milieu. Alors voulez-vous une place à la fenêtre Oui, s'il vous plaît. speak real French from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at Frenchpod101.com. In this video, You will listen to each dialogue twice. One version without the conversation's text and one version with subtitles to read along with. Test your listening comprehension skills with this video. Ready? Que penses-tu de celui-là? Il a un grand et agréable séjour. Hum, mm, j'aime bien les grands salons, mais j'aimerais avoir une place de parking. Voyons voir. Et celui-là? Ouais, sympa. On le visite Attends une minute. Le placard est pas un peu petit Bien vu. Hmm. Il semblerait que celui-là n'est pas aussi parfait. Oh, et celui-là Il a tout ce qu'on veut, non Et le placard est assez grand aussi. Allons voir celui-là. Ok. Un homme et sa femme regardent des plans de logement. Quel logement vont-ils visiter que penses tu de celui là Il a un grand et agréable séjour. Hum. Mmh, J'aime bien les grands salons, mais j'aimerais avoir une place de parking. Voyons voir. Et celui là Ouais, sympa. On le visite Attends une minute. Le placard n'est pas un peu petit Bien vu. Hum. Mmh, il semblerait que celui là n'est pas aussi parfait. Oh. Et celui là il a tout ce qu'on veut, non? Et le placard est assez grand aussi. Allons voir celui-là. Ok. est d'hôtel, comment puis-je vous aider? Bonjour, je voudrais réserver une chambre pour la nuit du 22 septembre. Très bien. Le 22 septembre au soir, combien de personnes? Deux. Voulez-vous une chambre fumeur ou non-fumeur, monsieur? Non-fumeur. La seule chambre non fumeur disponible a vue sur la montagne. Cela vous convient-il Ah, j'espérais avoir vue sur la mer. Je suis désolé, mais la seule chambre disponible avec vue sur la mer est une chambre fumeur. Je vois. Y a-t-il une telle chambre non fumeur disponible le 23 septembre Oui, il y en a une. Très bien, nous réservons pour le 23. Un homme fait une réservation d'hôtel. Dans quelle chambre va-t-il s'installer Si ça est d'hôtel, comment puis-je vous aider Bonjour, je voudrais réserver une chambre pour la nuit du 22 septembre. Très bien. Le 22 septembre au soir, combien de personnes Deux. Voulez-vous une chambre fumeur ou non fumeur, monsieur Non fumeur. La seule chambre non fumeur disponible a vue sur la montagne. Cela vous convient-il ah, j'espérais avoir vu sur la mer. Je suis désolé, mais la seule chambre disponible avec vue sur la mer est une chambre fumeur. Je vois. Y a-t-il une telle chambre non fumeur disponible le 23 septembre Oui, il y en a une. Très bien, nous réservons pour le 23. Bonjour, puis-je vous aider Bonjour, j'ai rendez-vous à 3 heures au nom de Richie. Ah oui, bonjour Madame Richy. Par ici s'il vous plaît. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui Je voudrais changer un peu de style de coiffure. Ok. Quelle longueur voulez-vous À peu près aux épaules. Très bien. Et votre frange On garde la frange. Droite ou un peu sur le côté Un peu sur le côté. Lequel Un peu à gauche. Ok. On commence avec le shampoing par ici, s'il vous plaît. Une femme discute avec son coiffeur. Comment veut-elle se faire coiffer Bonjour, puis-je vous aider Bonjour, j'ai rendez-vous à 3 heures au nom de Richie. Ah oui, bonjour Madame Richie. Par ici, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui Je voudrais changer un peu de style de coiffure. Ok. Quelle longueur voulez-vous À peu près aux épaules. Très bien. Et votre frange On garde la frange. Droite ou un peu sur le côté Un peu sur le côté. Lequel Un peu à gauche. Ok. On commence avec le shampoing par ici, s'il vous plaît. Hé, hey, tu penses quoi de ce job Le taux horaire est assez élevé. C'est sûr. La paye est géniale, mais tu penses vraiment pouvoir faire de la livraison de journaux Bien sûr, je suis bonne en vélo. Mais ça m'embête de me lever tôt. Et ça C'est pas aussi bien payé, mais tu peux travailler deux ou trois jours par semaine et commencer à travailler les soirs. Ah. Celui-là Caissière Ouais, ça peut être bien de bosser après les cours. Celui pour le café a l'air pas mal aussi. Ah ouais, j'adore cet endroit. Et c'est sur mon chemin. Pas mal, hein hum, Auquel je postule. Tu hésites entre quoi et quoi Le café et les livraisons Ouais, le salaire pour la livraison de journaux est vraiment bien. Ok, j'ai choisi. Je vais juste devoir me lever tôt. Deux étudiants, un garçon et une fille, regardent des petites annonces de job. Pour quel travail l'étudiante va-t-elle postuler Eh, hey, tu penses quoi de ce job le taux horaire est assez élevé. C'est sûr, la paye est géniale, mais tu penses vraiment pouvoir faire de la livraison de journaux Bien sûr, je suis bonne en vélo. Mais ça m'embête de me lever tôt. Et ça C'est pas aussi bien payé, mais tu peux travailler deux ou trois jours par semaine et commencer à travailler les soirs. Ah, celui-là Caissière Ouais, ça peut être bien de bosser après les cours. Celui pour le café a l'air pas mal aussi. Ah ouais, j'adore cet endroit et c'est sur mon chemin. Pas mal, hein hum, Auquel je postule. Tu hésites entre quoi et quoi Le café et les livraisons Ouais, le salaire pour la livraison de journaux est vraiment bien. Ok, j'ai choisi. Je vais juste devoir me lever tôt. Elle vous met en valeur et vous va très bien. Oui, elle me va. Mais j'ai l'habitude de porter des couleurs unies. Je n'ai pas l'habitude de ce genre de motif. Eh bien, je trouve que cela vous va bien. Ah oui? Je pense qu'il me faudrait un peu plus de courage pour porter ça. Et pourquoi pas cette robe? Le motif est plutôt discret, donc ce sera moins voyant. Vous avez raison. Je vais essayer celle ci. Je vous en prie. Qu'en pensez vous? Celle ci me va mieux que l'autre. Est ce que vous avez la même avec des manches longues? Oui, tout à fait. Très bien, je la prends. Une femme essaie une robe et discute avec le vendeur. Quelle robe va-t-elle acheter Elle vous met en valeur et vous va très bien. Oui, elle me va. Mais j'ai l'habitude de porter des couleurs unies. Je n'ai pas l'habitude de ce genre de motif. Eh bien, je trouve que cela vous va bien. Ah oui je pense qu'il me faudrait un peu plus de courage pour porter ça. Et pourquoi pas cette robe Le motif est plutôt discret, donc ce sera moins voyant. Vous avez raison, je vais essayer celle-ci. Je vous en prie. Qu'en pensez-vous Celle-ci me va mieux que l'autre. Est-ce que vous avez la même avec des manches longues Oui, tout à fait. Très bien, je la prends. Bonjour. Pourriez-vous me rendre service Il y a un document sur mon bureau, et j'aurais besoin que vous le livriez au service commercial. Bien sûr. De quel document s'agit-il Je pense qu'il se trouve dans l'enveloppe bleue. L'enveloppe bleue. Eh bien, il y a deux enveloppes bleues sur votre bureau. Ah oui. Il y a un seau rouge en haut à droite de l'enveloppe. Celle avec le seau vert est à distribuer au service de recrutement. Celle avec le seau rouge. J'ai compris. Super. Livrez-la au service commercial d'ici à une heure de l'après-midi et faites en sorte de l'envoyer directement au manager. Vous le connaissez, non Oui, je l'ai rencontré et ai parlé avec lui à de nombreuses reprises. Bien. Oh, et pouvez-vous livrer l'autre enveloppe au service des ressources humaines Oui, monsieur. Le président de l'entreprise et sa secrétaire parlent au téléphone. Quel document la secrétaire va t-elle livrer au service commercial? Bonjour. Pourriez vous me rendre service? Il y a un document sur mon bureau, et j'aurais besoin que vous le livriez au service commercial. Bien sûr. De quel document s'agit il? Je pense qu'il se trouve dans l'enveloppe bleue. L'enveloppe bleue. Eh bien, il y a deux enveloppes bleues sur votre bureau. Ah. Oui. Il y a un seau rouge en haut à droite de l'enveloppe. Celle avec le seau vert est à distribuer au service de recrutement. Celle avec le seau rouge. J'ai compris. Super. Livrez-la au service commercial d'ici à une heure de l'après-midi et faites en sorte de l'envoyer directement au manager. Vous le connaissez, non Oui, je l'ai rencontré et ai parlé avec lui à de nombreuses reprises. Bien. Au. Oh... Et pouvez-vous livrer l'autre enveloppe au service des ressources humaines Oui, monsieur. Bonjour. Comment puis-je vous aider J'ai déjeuné ici il y a quelque temps et je pense avoir oublié mon écharpe. Vous avez laissé votre écharpe à une table Vous, vous souvenez-vous d'où vous étiez assise Je vais la chercher. Eh bien, c'était à l'arrière du restaurant. Étiez-vous dans l'espace fumeur ou non-fumeur l'espace non fumeur. Étiez-vous assise au comptoir ou à une table J'étais à une table pour quatre personnes. Très bien. Je vais aller vérifier. Attendez un instant, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Une femme appelle un restaurant par téléphone. À quelle table a-t-elle déjeuné Bonjour. Comment puis-je vous aider J'ai déjeuné ici il y a quelque temps, et je pense avoir oublié mon écharpe. Vous avez laissé votre écharpe à une table. Vous souvenez-vous d'où vous étiez assise Je vais la chercher. Eh bien, c'était à l'arrière du restaurant. Étiez-vous dans l'espace fumeur ou non-fumeur L'espace non-fumeur. Étiez-vous assise au comptoir ou à une table J'étais à une table pour quatre personnes. Très bien. Je vais aller vérifier. Attendez un instant, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Excusez-moi, je cherche un appartement dans ce quartier. Pouvez-vous me montrer quelques plans d'étage Certainement. Est-ce pour une seule personne Non, je vais vivre avec ma femme. Je veux un salon, une chambre et un bureau. Ok. Que pensez-vous de celui-ci Il y a deux pièces plus une salle de séjour. Cependant, il peut être un peu bruyant car il est situé près d'une grande route. Je vois. D'habitude, je travaille à la maison j'ai donc besoin d'un endroit calme et je préférerais que la salle de séjour soit de forme carrée bien que pensez-vous de celui-ci? Il est situé un peu loin de la gare, mais dans un espace résidentiel calme. Il y a deux pièces et une salle de séjour, mais une des pièces est un peu étroite. Hmm, nous n'avons pas beaucoup de choses donc celui-là fera sûrement l'affaire pour nous. Nous pouvons vous montrer un autre appartement qui a deux grandes pièces, mais situé bien plus loin de la gare. Non, merci. J'aimerais aller voir le deuxième que vous m'avez montré. Un homme est à la recherche d'un appartement. Quel appartement va t-il choisir? Excusez moi. Je cherche un appartement dans ce quartier. Pouvez vous me montrer quelques plans d'étage? Certainement. Est ce pour une seule personne? Non. Je vais vivre avec ma femme. Je veux un salon, une chambre et un bureau. Ok. Que pensez-vous de celui-ci Il y a deux pièces plus une salle de séjour. Cependant, il peut être un peu bruyant car il est situé près d'une grande route. Je vois. D'habitude, je travaille à la maison. J'ai donc besoin d'un endroit calme. Et je préférerais que la salle de séjour soit de forme carrée. Bien. Que pensez-vous de celui-ci il est situé un peu loin de la gare, mais dans un espace résidentiel calme. Il y a deux pièces et une salle de séjour, mais une des pièces est un peu étroite. Hmm, nous n'avons pas beaucoup de choses. Donc celui-là fera sûrement l'affaire pour nous. Nous pouvons vous montrer un autre appartement qui a deux grandes pièces, mais situé bien plus loin de la gare. Non, merci. J'aimerais aller voir le deuxième que vous m'avez montré. Excusez-moi, j'aimerais commander un gâteau d'anniversaire pour ma fille. Très bien. Pourriez-vous me dire quel genre de gâteau vous cherchez? Ma fille aime le chocolat. Je pense donc qu'un gâteau au chocolat serait bien. Et pouvez-vous mettre des fraises dessus? Absolument. Nous avons des gâteaux ronds et carrés. Lequel préférez-vous? Hmm, un rond, s'il vous plaît. Ok. Quel âge votre fille aura-t-elle? Elle va avoir douze ans. Ok. Nous allons donc préparer douze bougies. Voulez-vous écrire un message Oui, écrivez, joyeux anniversaire, s'il vous plaît. Très bien. Et voulez-vous l'avoir écrit en rose Si c'est le cas, nous le mettrons sur une assiette blanche. Sinon, nous pouvons l'écrire en blanc et le mettre sur une assiette rose. Écrivez-le en rose et mettez-le sur une assiette blanche, s'il vous plaît. Une femme commande un gâteau d'anniversaire. Quel gâteau va-t-elle commander Excusez-moi, j'aimerais commander un gâteau d'anniversaire pour ma fille. Très bien. Pourriez-vous me dire quel genre de gâteau vous cherchez Ma fille aime le chocolat, je pense donc qu'un gâteau au chocolat serait bien. Et pouvez-vous mettre des fraises dessus Absolument. Nous avons des gâteaux ronds et carrés. Lequel préférez vous Hum. Un rond, s'il vous plaît. Ok. Quel âge votre fille aura-t-elle Elle va avoir 12 ans. Ok. Nous allons donc préparer 12 bougies. Voulez-vous écrire un message Oui, écrivez, joyeux anniversaire, s'il vous plaît. Très bien. Et voulez-vous l'avoir écrit en rose Si c'est le cas, nous le mettrons sur une assiette blanche. Sinon, nous pouvons l'écrire en blanc et le mettre sur une assiette rose. Écrivez-le en rose et mettez-le sur une assiette blanche, s'il vous plaît. Je pense que nous devrions décider de la date de déménagement et appeler une entreprise de déménagement. Oui, j'étais en train de rechercher des entreprises de déménagement. Je ne veux pas payer beaucoup d'argent. Je suis d'accord. Cette entreprise offre quelques promotions, comme une promotion de 10% si nous réservons au moins un mois avant la date du déménagement. Un mois avant Dans ce cas, nous devrons déménager après le 15 décembre pour obtenir la promotion. Oui, et il y a une promotion supplémentaire si on réserve un jour en semaine. En semaine Eh bien, j'ai une réunion lundi matin et l'exposition est mardi et mercredi donc. Vendredi serait bien, car nous pourrions organiser la nouvelle maison pendant le week-end. Oui. Oh, attends ils disent quinze pour cent de réduction du lundi au jeudi et cinq pour cent de réduction le vendredi. Oh. Qu'est ce que tu veux faire? Obtenons-le le moins cher possible. D'ici là j'aurai fini l'exposition dans tous les cas. Un homme et une femme parlent de leur planning de déménagement. Quand vont ils déménager? Je pense que nous devrions décider de la date de déménagement et appeler une entreprise de déménagement. Oui. J'étais en train de rechercher des entreprises de déménagement. Je ne veux pas payer beaucoup d'argent. Je suis d'accord. Cette entreprise offre quelques promotions, comme une promotion de 10% si nous réservons au moins un mois avant la date du déménagement. Un mois avant Dans ce cas, nous devrons déménager après le 15 décembre pour obtenir la promotion. Oui, et il y a une promotion supplémentaire si on réserve un jour en semaine. En semaine eh bien, j'ai une réunion lundi matin, et l'exposition est mardi et mercredi donc. Vendredi serait bien, car nous pourrions organiser la nouvelle maison pendant le week-end. Oui. Oh, attends. Ils disent quinze pour cent de réduction du lundi au jeudi et cinq pour cent de réduction le vendredi. Oh. Qu'est-ce que tu veux faire Obtenons le le moins cher possible. D'ici là, j'aurai fini l'exposition dans tous les cas. Excusez moi, cette chemise est elle disponible seulement par lot de trois? Nous pouvons vendre séparément, mais cela va être bien plus cher par chemise. D'accord. Eh bien, je n'ai pas besoin de trois fois de la même chemise. Que devrais je faire? Si vous achetez également ce lot de trois cravates, nous pouvons vous donner une réduction sur les chemises pour qu'elles soient à trois pour le prix d'une. Je vois un lot de trois cravates, et j'obtiens trois chemises pour le prix d'une. C'est exact. Ok, je donnerai les deux autres chemises à quelqu'un d'autre. Très bien, monsieur. Ce sont des économies exceptionnelles. Un homme fait des courses pendant les soldes. Que va t-il acheter et en quelle quantité? Excusez moi, cette chemise est elle disponible seulement par lot de trois? Nous pouvons vendre séparément, mais cela va être bien plus cher par chemise. D'accord. Eh bien, je n'ai pas besoin de trois fois de la même chemise. Que devrais je faire? Si vous achetez également ce lot de trois cravates, nous pouvons vous donner une réduction sur les chemises pour qu'elles soient à trois pour le prix d'une. Je vois un lot de trois cravates, et j'obtiens trois chemises pour le prix d'une. C'est exact. Ok, je donnerai les deux autres chemises à quelqu'un d'autre. Très bien, monsieur. Ce sont des économies exceptionnelles. Voici le rapport sur nos sacs pour femmes que nous venons de lancer le mois dernier. Tout d'abord, concernant la couleur, le noir se vendait le plus. Il est suivi par le blanc, puis le bleu ciel. Le jaune ne se vendait pas très bien. Le jaune ne se vendait pas très bien, hein? Et les formes Les sacs de grosse taille se vendaient mieux que ceux de petite taille. Les sacs pouvant contenir des cahiers A4 ou des magazines étaient les plus populaires. Très bien. En ce qui concerne les poignées, le cuir était plus populaire que la chaîne. Je vois. On dirait que les sacs qui vont avec un style formel se vendent le plus. C'est vrai. Je pense donc que nous devrions utiliser des couleurs moins vives comme le beige ou le marron pour notre nouvelle collection. Très bien, alors choisissons le beige comme nouvelle couleur. Vous pouvez arrêter la production des sacs jaunes. Ok. Une femme fait un rapport sur les ventes de sacs. Quel sac était le plus vendu Voici le rapport sur nos sacs pour femmes que nous venons de lancer le mois dernier. Tout d'abord, concernant la couleur, le noir se vendait le plus, il est suivi par le blanc, puis le bleu ciel. Le jaune ne se vendait pas très bien. Le jaune ne se vendait pas très bien hein. Et les formes Les sacs de grosse taille se vendaient mieux que ceux de petite taille. Les sacs pouvant contenir des cahiers a quatre ou des magazines étaient les plus populaires. Très bien. En ce qui concerne les poignées, le cuir était plus populaire que la chaîne. Je vois. On dirait que les sacs qui vont avec un style formel se vendent le plus. C'est vrai. Je pense donc que nous devrions utiliser des couleurs moins vives comme le beige ou le marron pour notre nouvelle collection. Très bien. Alors, choisissons le beige comme nouvelle couleur. Vous pouvez arrêter la production des sacs jaunes. Ok. Excusez-moi, est-ce que je peux faire une réservation pour un bilan de santé? Certainement. Les bilans de santé sont disponibles uniquement le lundi, mercredi et samedi, contrairement aux examens normaux. Quel jour voulez vous? Y a t-il une disponibilité pour ce samedi? Oui, il y en a. Nous sommes ouverts seulement le matin les samedis. Cela vous va? Seulement le matin. Hum, c'est un peu difficile. Jusqu'à quelle heure êtes vous ouvert en semaine? Nous sommes ouverts jusqu'à 18h le lundi et 20h le mercredi. Je vois. À quelle heure ouvrez-vous le matin Nous ouvrons à 8h. C'est tout réservé pour le matin cette semaine, mais si vous pouvez attendre la semaine suivante, il y a une disponibilité pour les deux, lundi et mercredi dès 8h. Ok. Je vous rappellerai quand j'aurai vérifié mon calendrier. Très bien, monsieur. Un homme appelle un hôpital. Quand est-ce que les bilans de santé sont-ils disponibles à l'hôpital Excusez-moi, est-ce que je peux faire une réservation pour un bilan de santé Certainement. Les bilans de santé sont disponibles uniquement le lundi, mercredi et samedi, contrairement aux examens normaux. Quel jour voulez-vous Y a-t-il une disponibilité pour ce samedi Oui, il y en a. Nous sommes ouverts seulement le matin les samedis. Cela vous va Seulement le matin Hmm, C'est un peu difficile. Jusqu'à quelle heure êtes vous ouvert en semaine? Nous sommes ouverts jusqu'à dix huit heures le lundi et vingt heures le mercredi. Je vois. À quelle heure ouvrez vous le matin? Nous ouvrons à huit heures. C'est tout réservé pour le matin cette semaine, mais si vous pouvez attendre la semaine suivante, il y a une disponibilité pour les deux, lundi et mercredi dès huit heures. Ok. Je vous rappellerai quand j'aurai vérifié mon calendrier. Très bien, monsieur. Désolé de te déranger, mais tu pourrais récupérer ma fille, s'il te plaît Bien sûr. Elle me connaît Oui, elle t'a vu sur des photos, donc elle devrait pouvoir te reconnaître. Très bien. De quoi a-t-elle l'air Ses cheveux sont noirs et bouclés. Elle est mince et plus grande que la moyenne. Ok. Autre chose Elle a dit qu'elle mettrait le chapeau que je lui ai acheté avant. Il est blanc et a un ruban noir. Cela semble facile à trouver. Très bien, je vais aller la récupérer maintenant. Merci. Un homme va récupérer la fille de son ami. Laquelle est sa fille Désolé de te déranger, mais tu pourrais récupérer ma fille s'il te plaît Bien sûr. Elle me connaît Oui, elle t'a vu sur des photos donc elle devrait pouvoir te reconnaître. Très bien. De quoi a-t-elle l'air ses cheveux sont noirs et bouclés. Elle est mince et plus grande que la moyenne. Ok. Autre chose Elle a dit qu'elle mettrait le chapeau que je lui ai acheté avant. Il est blanc et a un ruban noir. Cela semble facile à trouver. Très bien. Je vais aller la récupérer maintenant. Merci. Oh non. Je n'arrive pas à trouver mon portefeuille. J'ai dû le laisser quelque part. Quoi tu te souviens de la dernière fois où tu l'as utilisé? Non, je n'arrive pas à m'en souvenir. Bon, essayons de réfléchir à où tu as été aujourd'hui. Ok. D'abord, je suis allé voir un film avec un ami. Après ça, nous sommes allés prendre un café, mais mon ami a payé pour moi, donc je n'ai pas touché à mon portefeuille. Mais tu te rappelles l'avoir utilisé pour acheter ton ticket de cinéma? Oui et nous sommes allés à la salle de sport. Après ça, j'ai remarqué que je ne l'avais pas avec moi. Tu as utilisé de l'argent à la salle de sport Non, parce que le prix de l'abonnement est déduit directement de mon compte bancaire tous les mois. Oh Je me rappelle avoir acheté du jus au distributeur automatique. Très bien, dans ce cas, allons là-bas et le chercher. Un homme parle avec une femme de son portefeuille. Où va-t-il chercher son portefeuille Oh non, je n'arrive pas à trouver mon portefeuille. J'ai dû le laisser quelque part. Quoi Tu te souviens de la dernière fois où tu l'as utilisé Non, je n'arrive pas à m'en souvenir. Bon, essayons de réfléchir à où tu as été aujourd'hui. OK. D'abord, je suis allé voir un film avec un ami. Après ça, nous sommes allés prendre un café. Mais mon ami a payé pour moi, donc je n'ai pas touché à mon portefeuille. Mais tu te rappelles l'avoir utilisé pour acheter ton ticket de cinéma Oui. Et nous sommes allés à la salle de sport. Après ça, j'ai remarqué que je ne l'avais pas avec moi. Tu as utilisé de l'argent à la salle de sport Non, parce que le prix de l'abonnement est déduit directement de mon compte bancaire tous les mois. Oh je me rappelle avoir acheté du jus au distributeur automatique. Très bien, dans ce cas, allons là-bas et le chercher. Nous devons avoir une réunion concernant notre prochaine présentation de groupe. C'est vrai, quand es-tu disponible J'ai cours les lundis, mercredis et jeudis. Dans ce cas, soit mercredi, soit jeudi marcherai pour tous les deux comme je suis là les mardis, mercredis et jeudis. Que dirais-tu de jeudi après-midi Les jeudis, j'ai cours jusqu'à la troisième période. Par contre, je peux venir après mon cours d'économie de la troisième période. Mais j'ai un emploi à temps partiel à 5 heures, donc je serai disponible pour seulement une heure. Hum, ça va être assez juste. Et mercredi alors J'ai seulement un cours d'histoire moderne pendant la deuxième période et un cours de droit international pendant la quatrième période. Mais sinon, je suis libre. Je vois. J'ai un cours d'histoire asiatique pendant la troisième période et un emploi à temps partiel le soir. Que dirais-tu de se réunir tôt le matin pour parler jusqu'à ce que les cours de la deuxième période commencent? Eh bien, je ne suis pas quelqu'un de matinal. Et si on se voyait jeudi, je vais repousser mon emploi à temps partiel à plus tard. Ok, viens à la cafétéria quand le cours sera fini s'il te plaît. Un étudiant et une étudiante discutent pendant qu'ils regardent leurs emplois du temps. Choisissez l'emploi du temps du jour de la réunion de l'étudiant. Nous devons avoir une réunion concernant notre prochaine présentation de groupe. C'est vrai, quand es-tu disponible? J'ai cours les lundis, mercredis et jeudis. Dans ce cas, soit mercredi, soit jeudi, marcherai pour tous les deux, comme je suis là les mardis, mercredi et jeudis. Que dirais-tu de jeudi après-midi Les jeudis, j'ai cours jusqu'à la troisième période. Par contre, je peux venir après mon cours d'économie de la troisième période. Mais j'ai un emploi à temps partiel à cinq heures, donc je serai disponible pour seulement une heure. Hmm, ça va être assez juste. Et mercredi alors j'ai seulement un cours d'histoire moderne pendant la deuxième période et un cours de droit international pendant la quatrième période. Mais sinon, je suis libre. Je vois. J'ai un cours d'histoire asiatique pendant la troisième période et un emploi à temps partiel le soir. Que dirais tu de se réunir tôt le matin pour parler jusqu'à ce que les cours de la deuxième période commencent? Eh bien, je ne suis pas quelqu'un de matinal. Et si on se voyait jeudi Je vais repousser mon emploi à temps partiel à plus tard. Ok. Viens à la cafétéria quand le cours sera fini, s'il te plaît. J'ai entendu dire que tu as un frère jumeau. Je ne savais pas ça. Oui, mais les gens disent qu'on ne se ressemble pas. Tu vois, mon frère est dans cette image. Mais peux-tu me dire qui il est Eh bien. Je ne vois personne qui te ressemble. C'est celui avec la casquette? Non, ce n'est pas lui. Il a les cheveux noirs, tout comme moi. Eh bien, la grande personne? Non, il n'est pas aussi grand. Je ne vois toujours pas. Vous ne vous ressemblez vraiment pas. Je sais. Peut-être que c'est plus difficile à cause des lunettes. Des lunettes? Alors, lui? Le deuxième en partant de la gauche? C'est ça. Je lui ressemble Non, pas vraiment. Un homme et une femme discutent pendant qu'ils regardent une image. Qui est le frère de la femme J'ai entendu dire que tu as un frère jumeau. Je ne savais pas ça. Oui, mais les gens disent qu'on ne se ressemble pas. Tu vois, mon frère est dans cette image, mais peux-tu me dire qui il est Eh bien... Je ne vois personne qui te ressemble. C'est celui avec la casquette? Non, ce n'est pas lui. Il a les cheveux noirs, tout comme moi. Eh bien la grande personne? Non, il n'est pas aussi grand. Je ne vois toujours pas. Vous ne vous ressemblez vraiment pas. Je sais. Peut-être que c'est plus difficile à cause des lunettes. Des lunettes? Alors lui, le deuxième en partant de la gauche? C'est ça. Je lui ressemble Non. Pas vraiment. Tiens, regarde cet article. Il parle des trois matières les plus populaires parmi les enfants de 10 et 15 ans. Oh, fais-moi voir. Oh, l'éducation physique et sportive est en tête de la liste des enfants de 10 ans. L'éducation physique et sportive reste populaire. Cependant, j'ai entendu dire que de nos jours, les enfants passent moins de temps à faire de sport. Oui, et en deuxième, il y a la musique. Oui. La matière la plus populaire parmi les enfants de 15 ans est l'histoire. Quand tu as 15 ans, tu t'intéresses à des matières différentes par rapport à quand tu avais 10 ans. C'est vrai. Oh, et en deuxième, il y a la politique. L'informatique est en troisième, mais ce n'était pas encore une matière quand nous avions cet âge-là. D'ailleurs, quelle était la troisième matière préférée chez les enfants de 10 ans Voyons voir. Oh, les arts plastiques. Je me demande s'ils conçoivent des choses en utilisant un logiciel informatique de nos jours. Un homme et une femme discutent pendant qu'ils regardent un sondage concernant les matières préférées des enfants. Quel tableau montre le résultat des enfants de 15 ans Tiens, regarde cet article. Il parle des trois matières les plus populaires parmi les enfants de 10 et 15 ans. Oh, fais-moi voir. Oh, l'éducation physique et sportive est en tête de la liste des enfants de 10 ans. L'éducation physique et sportive reste populaire. Cependant, j'ai entendu dire que de nos jours, les enfants passent moins de temps à faire de sport. Oui, et en deuxième, il y a la musique. Oui. La matière la plus populaire parmi les enfants de quinze ans est l'histoire. Quand tu as quinze ans, tu t'intéresses à des matières différentes par rapport à quand tu avais dix ans. C'est vrai. Oh. Et en deuxième, il y a la politique. L'informatique est en troisième, mais ce n'était pas encore une matière quand nous avions cet âge là. D'ailleurs, quelle était la troisième matière préférée chez les enfants de dix ans? Voyons voir. Oh. Les arts plastiques. Je me demande s'ils conçoivent des choses en utilisant un logiciel informatique de nos jours. Voici les prévisions météorologiques pour la semaine à venir. Dans la première moitié de la semaine, de nombreux jours seront généralement ensoleillés, bien qu'ils puissent faire nuageux de temps en temps. Dans la seconde moitié de la semaine, les nuages sont susceptibles de se propager et il pleuvra dans certains endroits. En milieu de semaine, quand le temps commencera à se détériorer, il y aura des tempêtes. La température maximale sera la même que la moyenne dans l'année et augmentera jusqu'à environ 20 degrés dans la première moitié de la semaine. Cependant, plus tard dans la semaine, elle va être plus faible que la moyenne de l'année et chutera de 18 degrés à 15 degrés. La température minimale restera autour des 7-8 degrés, ce qui est légèrement inférieur à la normale. Demain, nous aurons un dimanche ensoleillé et ce sera un temps parfait pour un jour de congé. La télévision diffuse les prévisions météorologiques. Quelles sont les prévisions météorologiques pour la semaine à venir Voici les prévisions météorologiques pour la semaine à venir. Dans la première moitié de la semaine, de nombreux jours seront généralement ensoleillés, bien qu'ils puissent faire nuageux de temps en temps. Dans la seconde moitié de la semaine, les nuages sont susceptibles de se propager et il pleuvra dans certains endroits. En milieu de semaine, quand le temps commencera à se détériorer, il y aura des tempêtes. La température maximale sera la même que la moyenne dans l'année et augmentera jusqu'à environ 20 degrés dans la première moitié de la semaine. Cependant, plus tard dans la semaine, elle va être plus faible que la moyenne de l'année. Et chutera de 18 degrés à 15 degrés. La température minimale restera autour des 7-8 degrés, ce qui est légèrement inférieur à la normale. Demain, nous aurons un dimanche ensoleillé et ce sera un temps parfait pour un jour de congé. Bonjour. J'ai une livraison pour les ressources humaines et le service de comptabilité. Merci. Les deux sont au quatrième étage. Je vois. Je dois aussi récupérer quelque chose du service commercial. Le service commercial a une première et une deuxième division. Laquelle est-ce Voyons voir la deuxième division. La deuxième division du service commercial est au deuxième étage. Il y a un interphone à l'entrée, donc appelez la personne que vous cherchez, s'il vous plaît. Je vois. Je peux utiliser l'ascenseur là-bas pour monter. Je suis désolé, l'ascenseur est hors service pour une inspection de sécurité. Cela vous dérangerait d'utiliser les escaliers là-bas? Pas du tout. Merci beaucoup. Un livreur parle à une réceptionniste. Que va faire le livreur par la suite? Choisissez la réponse incorrecte. Bonjour. J'ai une livraison pour les ressources humaines et le service de comptabilité. Merci, les deux sont au quatrième étage. Je vois. Je dois aussi récupérer quelque chose du service commercial. Le service commercial a une première et une deuxième division. Laquelle est-ce Voyons voir la deuxième division. La deuxième division du service commercial est au deuxième étage. Il y a un interphone à l'entrée, donc appelez la personne que vous cherchez s'il vous plaît. Je vois. Je peux utiliser l'ascenseur là-bas pour monter. Je suis désolée, l'ascenseur est hors service pour une inspection de sécurité. Cela vous dérangerait d'utiliser les escaliers là-bas Pas du tout. Merci beaucoup. speak real French from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at FrenchPod101.com. In this video, You will listen to each dialogue twice. One version without the conversation's text and one version with subtitles to read along with. Test your listening comprehension skills with this video. Ready Regardez le document, s'il vous plaît. Le graphique de gauche montre les ventes de l'entreprise sur les trois dernières années et les prévisions de ventes pour l'année présente. Le graphique de droite montre la chute des ventes jusqu'au mois d'octobre de cette année. Maintenant, revenons au graphique de gauche. Il montre que les ventes ont augmenté progressivement sur les trois dernières années. Si nous pouvons maintenir l'augmentation des ventes cette année, on dépassera le total des ventes de l'an passé. Regardons encore le graphique de droite. Il montre que les campagnes que nous avons faites en avril et août ont été plutôt efficaces. Je vois, mais les ventes ont décliné en mai et septembre juste après les campagnes. Oui, mais ce genre de rebond est inévitable. Je pense que les ventes annuelles pour cette année vont dépasser celles de l'an passé si nous continuons sur cette lancée. Un homme fait un rapport sur les performances de vente de son entreprise lors d'une réunion. Quels sont les deux graphiques qu'il utilise pour sa présentation Regardez le document s'il vous plaît. Le graphique de gauche montre les ventes de l'entreprise sur les trois dernières années et les prévisions de vente pour l'année présente. Le graphique de droite montre la chute des ventes jusqu'au mois d'octobre de cette année. Maintenant, revenons au graphique de gauche. Il montre que les ventes ont augmenté progressivement sur les trois dernières années. Si nous pouvons maintenir l'augmentation des ventes cette année, on dépassera le total des ventes de l'an passé. Regardons encore le graphique de droite. Il montre que les campagnes que nous avons faites en avril et août ont été plutôt efficaces. Je vois. Mais les ventes ont décliné en mai et septembre juste après les campagnes. Oui, mais ce genre de rebond est inévitable. Je pense que les ventes annuelles pour cette année vont dépasser celles de l'an passé si nous continuons sur cette lancée. Tout d'abord, laissez-moi vous expliquer les différentes options d'adhésion comme décrites dans cette brochure. Les membres ordinaires peuvent utiliser la salle de gym et la piscine tous les jours, mais nous offrons aussi des adhésions pour les matinées pour ceux qui peuvent venir seulement très tôt le matin, et des adhésions soirées pour ceux qui peuvent venir seulement tard le soir. Quels sont les horaires pour les séances du matin Les sessions matinales se déroulent de 6h du matin à 10h, et celles du soir de 18h à 23h. Je vois, donc les adhérents du matin peuvent faire un saut et s'entraîner avant d'aller au travail. C'est exact, ce type d'adhésion est assez populaire parmi les gens qui travaillent de 9h à 17h. Et nous offrons aussi des adhésions seulement pour la salle de gym ou la piscine, si vous ne voulez faire qu'une seule de ces options. Je veux utiliser les deux. Je pense que j'utiliserai la salle de gym le matin avant le travail en semaine et utiliserai la piscine le week-end. Est-ce que vous avez une adhésion qui couvre le matin seulement les jours de semaine, mais les journées complètes les week-ends Nous sommes désolés, mais nous n'offrons pas ce genre d'adhésion, monsieur. Ok, je ne pense pas pouvoir me lever si tôt les week-ends. Donc je vais choisir cette option. Un homme va à un club de sport pour demander des informations sur les inscriptions. Quel genre d'adhésion va-t-il choisir Tout d'abord, laissez-moi vous expliquer les différentes options d'adhésion comme décrites dans cette brochure. Les membres ordinaires peuvent utiliser la salle de gym et la piscine tous les jours, mais nous offrons aussi des adhésions pour les matinées, pour ceux qui peuvent venir seulement très tôt le matin, et des adhésions soirées. Pour ceux qui peuvent venir seulement tard le soir. Quels sont les horaires pour les séances du matin Les sessions matinales se déroulent de 6 h du matin à 10 h et celles du soir de 18 h à 23 h. Je vois Donc les adhérents du matin peuvent faire un saut et s'entraîner avant d'aller au travail. C'est exact Ce type d'adhésion est assez populaire parmi les gens qui travaillent de 9 h à 17 h. Et nous offrons aussi des adhésions seulement pour la salle de gym ou la piscine. Si vous ne voulez faire Qu'une seule de ces options Je veux utiliser les deux. Je pense que j'utiliserai la salle de gym le matin avant le travail en semaine et utiliserai la piscine le week-end. Est-ce que vous avez une adhésion qui couvre le matin seulement les jours de semaine, mais les journées complètes les week-ends Nous sommes désolés, mais nous n'offrons pas ce genre d'adhésion, monsieur. Ok, je ne pense pas pouvoir me lever si tôt les week-ends, donc je vais choisir cette option. Nous avons décidé de lancer le produit le 15 octobre et nous voudrions travailler avec vous pour la brochure. Merci beaucoup. Nous sommes vraiment ravis de vous aider dans la réalisation de ce projet. Pourriez-vous nous en dire plus sur le calendrier Quand auriez-vous besoin d'être livré Eh bien, en prenant en compte le temps de production, nous aimerions envoyer les brochures à l'impression fin septembre. Vous serait-il possible de nous éditer un premier jemi août Bien. Nous aimerions vous présenter trois designs différents pour le brouillon et vous choisirez celui qui vous convient le mieux. Ensuite, nous ferons le design final en nous basant sur votre choix. Cela nous aiderait beaucoup d'avoir deux semaines de plus pour cette phase. Hmm, ok. Peut-être qu'un mois suffira pour choisir un des designs que vous aurez fait et décider de la version finale. Très bien, je compte sur vous. Vous êtes entre de bonnes mains. Notre équipe graphique est la meilleure. Merci beaucoup. Une femme discute avec un imprimeur sous-traitant à propos de la brochure d'un nouveau produit. Quelle est la date limite pour rendre le premier jet du design de la brochure Nous avons décidé de lancer le produit le 15 octobre et nous voudrions travailler avec vous pour la brochure. Merci beaucoup. Nous sommes vraiment ravis de vous aider dans la réalisation de ce projet. Pourriez-vous nous en dire plus sur le calendrier Quand auriez-vous besoin d'être livré eh bien, en prenant en compte le temps de production, nous aimerions envoyer les brochures à l'impression fin septembre. Vous serait-il possible de nous éditer un premier mi août Bien, nous aimerions vous présenter trois designs différents pour le brouillon, et vous choisirez celui qui vous convient le mieux. Ensuite, nous ferons le design final en nous basant sur votre choix. Cela nous aiderait beaucoup d'avoir deux semaines de plus pour cette phase. Hmm, ok. Peut-être qu'un mois suffira pour choisir un des designs que vous aurez fait et décider de la version finale. Très bien, je compte sur vous. Vous êtes entre de bonnes mains. Notre équipe graphique est la meilleure. Merci beaucoup. Bonjour, Blackfriars Playhouse à l'appareil. Puis-je vous aider? Je voudrais deux tickets pour le roi lire à 17h30 ce soir. Y a-t-il encore des places? Nous avons quelques places disponibles, mais je suis désolé, nous n'avons plus de places côte à côte. Si ça ne vous dérange pas, nous pouvons vous donner deux places séparées. Ok, ce n'est pas un problème. Avez-vous une exigence particulière Eh bien, vous avez des places en allée centrale Oui, nous en avons une dans la rangée à gauche de la salle côté centre. À droite de la salle, trois sièges plus loin, nous en avons une autre. Sur le côté Ok, vous pouvez réserver celle en allée centrale. Certainement. Et l'autre place Est-ce que vous avez des places près du centre les seules places que nous avons au centre sont du premier rang au troisième. Je ne suis pas folle des acteurs qui me crachent dessus, donc... La salle est assez petite et je pense que vous pourrez apprécier la pièce même à la fin de la rangée. Vraiment Bien, je vais prendre celle à gauche dont vous avez parlé avant. Une femme passe un coup de fil pour réserver des tickets pour une pièce de théâtre. Quels sont les deux sièges qu'elle réserve Bonjour, Blackfriars Playhouse à l'appareil. Puis-je vous aider Je voudrais deux tickets pour le roi Lyre à 17h30 ce soir. Y a-t-il encore des places Nous avons quelques places disponibles, mais je suis désolé, nous n'avons plus de places côte à côte. Si ça ne vous dérange pas, nous pouvons vous donner deux places séparées. Ok, ce n'est pas un problème. Avez-vous une exigence particulière Eh bien, vous avez des places en allée centrale oui, nous en avons une dans la rangée à gauche de la salle côté centre. À droite de la salle, trois sièges plus loin, nous en avons une autre. Sur le côté Ok, vous pouvez réserver celle en allée centrale. Certainement. Et l'autre place Est-ce que vous avez des places près du centre Les seules places que nous avons au centre sont du premier rang au troisième. Je ne suis pas folle des acteurs qui me crachent dessus, donc. La salle est assez petite et je pense que vous pourrez apprécier la pièce même à la fin de la rangée. Vraiment Bien, je vais prendre celle à gauche dont vous avez parlé avant. Ok, je pense que nous sommes presque prêts pour la présentation de demain. Juste quelques petites choses. La réunion va commencer à 9h pile, donc on pourrait revérifier la salle de réunion aujourd'hui Oui, j'ai déjà revérifié la salle. Ok, super. Est-ce que tu as vérifié le fonctionnement du projecteur Oh, j'allais vérifier ça demain matin avec mon portable. Non, on doit vérifier ça aujourd'hui. On va pas avoir le temps de gérer ça demain si on a un problème. Donc vérifie ça aujourd'hui, c'est le plus important, OK OK. Et tu as récupéré les copies des documents Madame Martin les fait actuellement. Voyons voir quoi d'autre. Oh, tu as vérifié le tableau blanc Oui, je l'ai fait. Parfois les stylos n'ont plus assez d'encre. Est-ce que tu as regardé ça pas encore, mais je vais m'en occuper plus tard. Ok, oublie pas de faire ça aujourd'hui, s'il te plaît. Un homme et une femme discutent de la présentation qu'ils vont faire le lendemain au bureau. Que va vérifier la femme après leur conversation Ok, je pense que nous sommes presque prêts pour la présentation de demain. Juste quelques petites choses. La réunion va commencer à 9h pile, donc on pourrait revérifier la salle de réunion aujourd'hui Oui, j'ai déjà revérifié la salle. OK, super. Est-ce que tu as vérifié le fonctionnement du projecteur Oh, j'allais vérifier ça demain matin avec mon portable. Non, on doit vérifier ça aujourd'hui. On va pas avoir le temps de gérer ça demain si on a un problème. Donc vérifie ça aujourd'hui, c'est le plus important, OK OK. Et tu as récupéré les copies des documents Madame Martin les fait actuellement. Voyons voir, quoi d'autre Oh, tu as vérifié le tableau blanc Oui, je l'ai fait. Parfois les stylos n'ont plus assez d'encre. Est-ce que tu as regardé ça Pas encore, mais je vais m'en occuper plus tard. Ok, oublie pas de faire ça aujourd'hui s'il te plaît. Nous devons nous décider d'un hôtel pour notre voyage le mois prochain. Ok, allons sur Internet. Le Océan Hotel est près de la plage. C'est 120 dollars la nuit par personne. Et il y a un petit déjeuner buffet. Que penses-tu du Pine Hotel C'est 80 dollars la nuit. Je ne veux pas trop gaspiller en hébergement. Hum, mais le Pin Hotel est loin de la plage et du centre-ville. Et en plus, il faut payer pour le Wi-Fi. Que penses-tu du Sunrise Hotel Normalement, il coûte 140 dollars la nuit, mais en ce moment, il y a une promotion et nous pouvons rester une nuit là-bas pour 90 dollars. Il est entre la plage et le centre-ville. En plus, le Wi-Fi est gratuit. Ça sonne bien. Oh, attends, c'est valable seulement la semaine prochaine Oh, je n'avais pas vu ça. Et sinon, que penses-tu de cet endroit, le Royal Hotel Il est au milieu du centre-ville et coûte 100 dollars la nuit. La chambre n'a pas l'air très belle, mais le Wi-Fi est gratuit. Ok, réservons cet hôtel-là. Oh, il est déjà entièrement réservé. Zut, dans ce cas, le premier est le meilleur. Il est plein Non, il ne l'est pas. Super Un homme et une femme choisissent un hôtel. Quel hôtel vont-ils choisir nous devons nous décider d'un hôtel pour notre voyage le mois prochain. Ok, allons sur Internet. Le Océan Hotel est près de la plage. C'est 120 dollars la nuit par personne. Et il y a un petit déjeuner buffet. Que penses-tu du Pine Hotel C'est 80 dollars la nuit. Je ne veux pas trop gaspiller en hébergement. Hmm, mais le Pine Hotel est loin de la plage et du centre-ville. Et en plus, il faut payer pour le Wi-Fi. Que penses-tu du Sunrise Hotel Normalement, il coûte 140 dollars la nuit, mais en ce moment, il y a une promotion et nous pouvons rester une nuit là-bas pour 90 dollars. Il est entre la plage et le centre-ville. En plus, le Wi-Fi est gratuit. Ça sonne bien. Oh, attends, c'est valable seulement la semaine prochaine. Oh, je n'avais pas vu ça. Et sinon, que penses-tu de cet endroit, le Royal Hotel Il est au milieu du centre-ville et coûte 100 dollars la nuit. La chambre n'a pas l'air très belle, mais le Wi-Fi est gratuit. Ok, réservons cet hôtel-là. Oh. Il est déjà entièrement réservé. Zut. Dans ce cas, le premier est le meilleur. Il est plein Non, il ne l'est pas. Super. Arrangeons les tables pour la réunion de demain. Très bien. Faut-il mettre toutes les tables au centre de la pièce pour que tout le monde puisse y être assis autour et se faire face Non. Il y aura une séance de groupe en premier lieu. Nous allons donc séparer les tables en quatre parties quatre personnes seront placées dans chaque groupe. Ok, et moi je vais poser quelques blocs notes et stylos sur chaque table. Merci. Et nous aurons une courte explication à l'aide d'un projecteur avant de commencer la séance. Nous avons donc besoin d'un projecteur ici. Très bien. Aussi, nous allons utiliser un tableau blanc, n'est-ce pas? C'est bon si je mets le tableau blanc à côté de l'écran? Eh bien, que diriez-vous de mettre ce tableau blanc du côté opposé à l'écran? Mettons-le à l'arrière de la pièce. Je vois. Et n'oubliez pas de rapporter toutes les choses après la réunion. Mettez deux tables ensemble et installez-les en deux rangées. Un homme et une femme parlent de la disposition de la salle de réunion. Comment vont-ils arranger les tables? Arrangeons les tables pour la réunion de demain. Très bien. Faut-il mettre toutes les tables au centre de la pièce pour que tout le monde puisse y être assis autour et se faire face? Non. Il y aura une séance de groupe en premier lieu. Nous allons donc séparer les tables en quatre parties. Quatre personnes seront placées dans chaque groupe. Ok. Et moi, je vais poser quelques blocs notes et stylos sur chaque table. Merci. Et nous aurons une courte explication à l'aide d'un projecteur avant de commencer la séance. Nous avons donc besoin d'un projecteur ici. Très bien. Aussi, nous allons utiliser un tableau blanc, n'est-ce pas C'est bon si je mets le tableau blanc à côté de l'écran eh bien, que diriez-vous de mettre ce tableau blanc du côté opposé à l'écran? Mettons-le à l'arrière de la pièce. Je vois. Et n'oubliez pas de rapporter toutes les choses après la réunion. Mettez deux tables ensemble et installez-les en deux rangées. Vous devez vérifier le stock de matériel de bureau et commander des objets dont nous avons besoin une fois par mois. Vérifions cela ensemble cette fois-ci à l'aide de cette liste de contrôle. Merci. Alors, commençons avec le papier. On dirait qu'il ne reste plus qu'une boîte. Nous utilisons beaucoup de papier tous les jours, donc nous allons commander deux boîtes de plus. Ok. L'imprimante n'a plus d'encre de couleur. Devons-nous en commander Oh, ce n'est pas un problème car nous n'imprimons pas nos documents en couleur. Ah bon Ok. On dirait que certains marqueurs pour tableau blanc sont à court d'encre. Oui, ceux-ci ont besoin d'être remplacés. Nous obtenons une réduction si nous commandons une boîte de cinq marqueurs. Nous allons donc le faire. Ok. Oh. Et pouvons nous commander une souris en même temps? Ma souris semble lente à réagir. Eh bien, je pense que c'est parce que les piles sont presque épuisées. Vérifions le stock de piles, et s'il n'en reste plus beaucoup, nous en commanderons. Bien sûr. Eh bien, nous avons trois piles ici. Vous pouvez en prendre deux pour votre souris, mais achetez un lot de six piles pour les remplacer. Un homme et une femme parlent de matériel de bureau. Que va commander l'homme Vous devez vérifier le stock de matériel de bureau et commander des objets dont nous avons besoin une fois par mois. Vérifions cela ensemble cette fois-ci à l'aide de cette liste de contrôle. Merci. Alors, commençons avec le papier. On dirait qu'il ne reste plus qu'une boîte. Nous utilisons beaucoup de papier tous les jours, donc nous allons commander deux boîtes de plus. Ok. L'imprimante n'a plus d'encre de couleur. Devons-nous en commander? Oh, ce n'est pas un problème car nous n'imprimons pas nos documents en couleur. Ah bon? Ok. On dirait que certains marqueurs pour tableau blanc sont à court d'encre. Oui, ceux-ci ont besoin d'être remplacés. Nous obtenons une réduction si nous commandons une boîte de cinq marqueurs. Nous allons donc le faire. Ok. Oh. Et pouvons nous commander une souris en même temps? Ma souris semble lente à réagir. Eh bien, je pense que c'est parce que les piles sont presque épuisées. Vérifions le stock de piles, et s'il n'en reste plus beaucoup, nous en commanderons. Bien sûr. Eh bien, nous avons trois piles ici. Vous pouvez en prendre deux pour votre souris, mais achetez un lot de six piles pour les remplacer. Excusez-moi, j'aimerais aller à l'aéroport. Pourriez-vous m'indiquer comment y aller Bien sûr. Il y a plusieurs façons pour y accéder. Si vous prenez le bus numéro un, 1... Cela vous prendra environ une heure et demie pour arriver à l'aéroport, mais le tarif est le moins cher. Si vous prenez le bus numéro 2, cela vous prendra environ cinquante minutes, car c'est un bus non-stop, mais il part une fois par heure. C'est un peu plus cher. Je vois. Et les taxis Oui, il y a une station de taxi devant cet office de tourisme, et il faut environ une heure. Mais cela va être beaucoup plus cher que les bus, car ils utilisent la voie rapide. Et ils font payer en plus pour de gros bagages. Oh, je ne m'attendais pas à cela. C'est trop cher pour moi. Au fait, avez-vous acheté quelque chose au Shopping Plaza pendant la journée Ils offrent le service de navette gratuit du Plaza jusqu'à l'aéroport pour les clients ayant effectué des achats. Waouh, je ne savais pas cela. Je n'en ai pas encore fait, mais j'allais acheter des souvenirs dans tous les cas. Donc, vous pourrez utiliser cela une femme demande à un homme dans un office de tourisme comment aller à l'aéroport. Où va-t-elle aller ensuite Excusez-moi, j'aimerais aller à l'aéroport. Pourriez-vous m'indiquer comment y aller Bien sûr, il y a plusieurs façons pour y accéder. Si vous prenez le bus numéro 1, cela vous prendra environ une heure et demie pour arriver à l'aéroport, mais le tarif est le moins cher. Si vous prenez le bus numéro 2, cela vous prendra environ cinquante minutes, car c'est un bus non-stop, mais il part une fois par heure. C'est un peu plus cher. Je vois. Et les taxis Oui, il y a une station de taxis devant cet office de tourisme, et il faut environ une heure. Mais cela va être beaucoup plus cher que les bus, car ils utilisent la voie rapide, et ils font payer en plus pour de gros bagages. Oh. Je ne m'attendais pas à cela. C'est trop cher pour moi. Au fait. Avez-vous acheté quelque chose au shopping plaza pendant la journée Ils offrent le service de navette gratuit du plaza jusqu'à l'aéroport pour les clients ayant effectué des achats. Waouh, je ne savais pas cela. Je n'en ai pas encore fait, mais j'allais acheter des souvenirs dans tous les cas. Donc, vous pourrez utiliser cela. J'aurais besoin que vous fabriquiez et livriez quelques pulls de plus à temps pour la vente le mois prochain. Ok, qu'est-ce qu'il vous faut nous avons besoin de mille unités de pulls rouges en taille S et quatre cents unités de pulls rouges en taille M. Il nous faut aussi six cents unités de pulls verts en taille S et deux cents unités de pulls verts en taille M d'ici à la fin du mois. Des pulls rouges et verts. En fait, nous sommes à court de laine verte et nous devons en obtenir auprès d'autres fournisseurs. Nous ferons les rouges en premier. Non, non, non. Nous devons offrir les pulls rouges et verts ensemble. Alors faites simplement autant de pulvères que vous le pouvez s'il vous plaît. Ok. Je pense que nous pouvons faire deux cents unités de pulvères pour le moment. Quelle taille vous faut-il en premier Il nous faut les tailles S en premier. Désolé pour le court délai, mais nous avons vraiment besoin de votre aide. Très bien, nous ferons de notre mieux. Nous allons livrer ces pulvères et tous les pulls rouges. Une femme et un fournisseur parlent au téléphone. Qu'est-ce que la femme va obtenir en premier J'aurais besoin que vous fabriquiez et livriez quelques pulls de plus à temps pour la vente le mois prochain. Ok, qu'est-ce qu'il vous faut Nous avons besoin de 1000 unités de pulls rouges en taille S et 400 unités de pulls rouges en taille M. Il nous faut aussi 600 unités de pulls verts en taille S et 200 unités de pulls verts en taille M d'ici à la fin du mois. Des pulls rouges et verts En fait, nous sommes à court de laine verte et nous devons en obtenir auprès d'autres fournisseurs. Nous ferons les rouges en premier. Non, non, non. Nous devons offrir les pulls rouges et verts ensemble. Alors faites simplement autant de pulls verts que vous le pouvez, s'il vous plaît. Ok. Je pense que nous pouvons faire deux cents unités de pulls verts pour le moment. Quelle taille vous faut-il en premier Il nous faut les tailles S en premier. Désolé pour le court délai, mais nous avons vraiment besoin de votre aide. Très bien, nous ferons de notre mieux. Nous allons livrer ces pulls verts et tous les pulls rouges. Excusez-moi, pouvez-vous me montrer comment emprunter des livres C'est la première fois que vous venez à cette bibliothèque Oui. Très bien, je vais vous expliquer les règles. Dans cette bibliothèque, vous pouvez emprunter jusqu'à 6 livres et 5 CD ou DVD par personne. Cependant, vous ne pouvez emprunter que jusqu'à 10 documents en tout. La période de prêt est de 2 semaines et si vous désirez la rallonger, renouvelez-la avant qu'elle n'expire, s'il vous plaît. Je peux aussi emprunter des magazines et des journaux vous ne pouvez pas emprunter de journaux, mais des magazines sont disponibles à part le dernier numéro. Je peux les rapporter par courrier Nous ne pouvons pas accepter de retour par courrier. Venez à la bibliothèque pour les rendre, s'il vous plaît. Après la fermeture, vous avez la possibilité de les poser dans cette boîte de retour à côté de l'entrée, mais ne l'utilisez pas si vous avez du retard dans vos emprunts. Je vois. Merci beaucoup. Une femme pose des questions sur le système d'emprunt de documents à la librairie. Combien de documents peuvent être empruntés à la fois Excusez-moi, pouvez-vous me montrer comment emprunter des livres C'est la première fois que vous venez à cette bibliothèque Oui. Très bien, je vais vous expliquer les règles. Dans cette bibliothèque, vous pouvez emprunter jusqu'à 6 livres et 5 CD ou DVD par personne. Cependant, vous ne pouvez emprunter que jusqu'à 10 documents en tout. La période de prêt est de 2 semaines et si vous désirez la rallonger, renouvelez-la avant qu'elle n'expire s'il vous plaît. Je peux aussi emprunter des magazines et des journaux Vous ne pouvez pas emprunter de journaux, mais des magazines sont disponibles à part le dernier numéro. Je peux les rapporter par courrier Nous ne pouvons pas accepter de retour par courrier. Venez à la bibliothèque pour les rendre, s'il vous plaît. Après la fermeture, vous avez la possibilité de les poser dans cette boîte de retour à côté de l'entrée, mais ne l'utilisez pas si vous avez du retard dans vos emprunts. Je vois. Merci beaucoup. Quel genre de voyage est-ce cette fois-ci le but principal est la plongée sous-marine. Comme je vais emmener mon propre équipement, je suis inquiet qu'il puisse être volé pendant que je voyage. Je vois. Le cambriolage est inclus dans tous les plans que nous avons. Mais comme l'équipement pour la plongée sous-marine est une sorte de bagage spécial, il ne rentre que dans le plan A, où vous pouvez rajouter un contrat spécial pour la plongée sous-marine à d'autres plans. Le plan A est le plus cher, n'est-ce pas Quelle est la différence entre le plan B et le plan C Ok, par exemple, si jamais vous devez aller à l'hôpital à l'étranger, le plan B inclut des billets d'avion pour votre famille pour vous rendre visite. Le plan C ne propose pas cela. Je vois. Si j'ajoute le contrat spécial pour la plongée sous-marine au plan B ou C, serait-ce plus cher que le plan A Le plan B serait un peu plus cher et le plan C un peu moins cher. Ok. D'ailleurs, avez-vous un plan qui serait moins cher que le plan C oui, nous avons le plan D, mais il n'inclut pas les frais de logement au cas où votre avion aurait du retard ou serait annulé, donc nous ne recommandons pas ce plan. Je vois. Je suis d'accord, j'ai besoin de cette couverture. Mais je ne pense pas avoir besoin de couverture pour les billets d'avion de ma famille. Je vais donc prendre ce plan avec le contrat spécial en plus. Un homme choisit son assurance de voyage. À quel plan va-t-il s'abonner Quel genre de voyage est-ce cette fois-ci le but principal est la plongée sous-marine. Comme je vais emmener mon propre équipement, je suis inquiet qu'il puisse être volé pendant que je voyage. Je vois. Le cambriolage est inclus dans tous les plans que nous avons. Mais comme l'équipement pour la plongée sous-marine est une sorte de bagage spécial, il ne rentre que dans le plan A, où vous pouvez rajouter un contrat spécial pour la plongée sous-marine à d'autres plans. Le plan A est le plus cher, n'est-ce pas Quelle est la différence entre le plan B et le plan C Ok, par exemple, si jamais vous devez aller à l'hôpital à l'étranger, le plan B inclut des billets d'avion pour votre famille pour vous rendre visite. Le plan C ne propose pas cela. Je vois. Si j'ajoute le contrat spécial pour la plongée sous-marine au plan B ou C, serait-ce plus cher que le plan A Le plan B serait un peu plus cher et le plan C un peu moins cher. Ok. D'ailleurs, avez-vous un plan qui serait moins cher que le plan C oui, nous avons le plan D, mais il n'inclut pas les frais de logement au cas où votre avion aurait du retard ou serait annulé, donc nous ne recommandons pas ce plan. Je vois. Je suis d'accord, j'ai besoin de cette couverture. Mais je ne pense pas avoir besoin de couverture pour les billets d'avion de ma famille. Je vais donc prendre ce plan avec le contrat spécial en plus. Nous avons demandé à 200 employés de répondre à un questionnaire sur leurs habitudes sportives la semaine dernière. La question était combien de temps ils s'entraînent par semaine, et voici le résultat. Avez-vous compté les résultats de la filiale A et B séparément Oui, et nous avions quatre options moins d'une heure, environ une à deux heures, environ trois à six heures et six heures ou plus. Les deux filiales ont le plus répondu environ une à trois heures. On dirait qu'ils s'entraînent une fois par semaine. Oui, la deuxième option qui dirigeait était environ trois à cinq heures pour la filiale A et moins d'une heure pour la filiale B. Hmm, même pas 10% de la filiale B s'entraînent plus de 6 heures. C'est exact. J'ai donc pensé organiser un événement sportif que tout le monde peut joindre en passant. C'est une bonne idée. Cela donnerait également une bonne chance aux employés d'interagir entre eux. Je vais vous laisser vous en occuper. Très bien, je vais faire de mon mieux. Une femme rapporte à son patron les résultats du questionnaire. Quel graphique représente les employés de la filiale B nous avons demandé à 200 employés de répondre à un questionnaire sur leurs habitudes sportives la semaine dernière. La question était Combien de temps ils s'entraînent par semaine Et voici le résultat. Avez-vous compté les résultats de la filiale A et B séparément Oui, et nous avions quatre options Moins d'une heure, environ une à deux heures, environ trois à six heures et six heures ou plus. Les deux filiales ont le plus répondu Environ une à trois heures. On dirait qu'ils s'entraînent une fois par semaine. Oui, la deuxième option qui dirigeait était environ 3 à 5 heures pour la filiale A et moins d'une heure pour la filiale B. Hmm, même pas 10% de la filiale B s'entraînent plus de 6 heures. C'est exact. J'ai donc pensé à organiser un événement sportif que tout le monde peut joindre en passant. C'est une bonne idée. Cela donnerait également une bonne chance aux employés d'interagir entre eux. Je vais vous laisser vous en occuper. Très bien, je vais faire de mon mieux. J'ai entendu dire qu'on va joindre une activité bénévole et écrire un rapport dessus dans ce cours. On peut choisir n'importe quelle activité qui nous intéresse, n'est-ce pas Que vas-tu faire Je n'ai pas encore décidé. Je m'intéresse au bien-être, mais j'aimerais également interagir avec les autres. Tu en as choisi une, toi Pas encore. Je m'intéresse aux problèmes écologiques, donc je recherche une activité comme un groupe de conservation de la nature. Comme ramasser des déchets eh bien, ça me va aussi, mais je préfère des activités de groupe plus que des individuelles. Peut-être une où je peux avoir de l'expérience dans la direction. Très bien. Je connais quelqu'un qui travaille dans un groupe qui plante des arbres avec des enfants. Ça t'intéresse Ouais, ça a l'air parfait. C'est aussi une super opportunité pour interagir avec des enfants. Tu veux le faire avec moi Peut-être, mais j'aimerais essayer quelque chose en relation avec le bien-être, si possible. J'aimerais aider les personnes âgées et handicapées. Oh. Ma mère aide les voisins âgés avec leurs soins personnels. Tu veux aider? Oui, j'aimerais bien. Un étudiant et une étudiante parlent d'activités bénévoles. Quelles activités vont ils joindre? J'ai entendu dire qu'on va joindre une activité bénévole et écrire un rapport dessus dans ce cours. On peut choisir n'importe quelle activité qui nous intéresse, n'est ce pas? Que vas tu faire? Je n'ai pas encore décidé. Je m'intéresse au bien-être, mais j'aimerais également interagir avec les autres. Tu en as choisi une, toi Pas encore. Je m'intéresse aux problèmes écologiques, donc je recherche une activité comme un groupe de conservation de la nature. Comme ramasser des déchets Eh bien, ça me va aussi, mais je préfère des activités de groupe plus que des individuelles. Peut-être une où je peux avoir de l'expérience dans la direction. Très bien. Je connais quelqu'un qui travaille dans un groupe qui plante des arbres avec des enfants. Ça t'intéresse Ouais, ça a l'air parfait. C'est aussi une super opportunité pour interagir avec des enfants. Tu veux le faire avec moi Peut-être, mais j'aimerais essayer quelque chose en relation avec le bien-être, si possible. J'aimerais aider les personnes âgées et handicapées. Oh, ma mère aide les voisins âgés avec leurs soins personnels. Tu veux aider Oui, j'aimerais bien. Nos nouveaux pains au fromage ne se vendent pas très bien, n'est-ce pas Non peut-être parce qu'ils étaient sur l'étagère du haut. Oui, c'est peut-être un peu trop haut pour les personnes âgées. Elles ne peuvent sûrement même pas les voir. Et si nous les mettions sur l'étagère du milieu? Cela me semble bien. Elles peuvent voir ça en premier quand elles entrent dans le magasin. Et si nous mettions un tissu rouge sur cet étage, pour qu'elles voient que c'est notre nouveau pain? Très bien. Après, nous devons mettre les croissants autre part, en haut ou en bas? Je pense que nous devrions mettre l'article le plus populaire sur l'étagère du haut. Il va bien se vendre, même s'il n'est pas facile à repérer. Cela doit être la miche de bain français, alors. Et que diriez vous de les placer dans un panier pour les faire ressortir? Bonne idée, faisons comme cela. Donc les croissants devront être en bas. Pouvez vous essayer de les placer? C'est comment? Très bien. Voyons voir si cela va avoir un effet sur les ventes de la semaine prochaine. Un manager de supermarché parle à son employé. Comment vont ils arranger leur pain? Nos nouveaux pains au fromage ne se vendent pas très bien, n'est ce pas? Non. Peut-être parce qu'ils étaient sur l'étagère du haut. Oui, c'est peut-être un peu trop haut pour les personnes âgées. Elles ne peuvent sûrement même pas les voir. Et si nous les mettions sur l'étagère du milieu? Cela me semble bien. Elles peuvent voir ça en premier quand elles entrent dans le magasin. Et si nous mettions un tissu rouge sur cet étage, pour qu'elles voient que c'est notre nouveau pain? Très bien. Après, nous devons mettre les croissants autre part, en haut ou en bas. Je pense que nous devrions mettre l'article le plus populaire sur l'étagère du haut. Il va bien se vendre même s'il n'est pas facile à repérer. Cela doit être la miche de bain français alors. Et que diriez-vous de les placer dans un panier pour les faire ressortir Bonne idée, faisons comme cela. Donc les croissants devront être en bas. Pouvez-vous essayer de les placer C'est comment Très bien. Voyons voir si cela va avoir un effet sur les ventes de la semaine prochaine. Je pense ouvrir un nouveau compte bancaire comme je vais commencer un emploi à temps partiel. Quelle banque est bien, à ton avis Eh bien, cela dépend de ce que tu recherches. Par exemple, la banque A et la banque B ont beaucoup de succursales et de guichets automatiques. Donc, ce sera plus commode pour faire des transactions financières. Mais il y a des frais de retrait chez la banque A à chaque fois que j'utilise leur guichet automatique. Ceux de la banque B me permettent de retirer gratuitement en semaine pendant la journée. Je vois. En parlant des frais de guichet automatique, la Banque C est toujours gratuite, mais ils n'ont pas tellement de guichets automatiques. Je vois, mais je n'aime pas trop le fait qu'il n'ait pas beaucoup de guichets automatiques. Au fait, la Banque D est la meilleure quand il s'agit de taux d'intérêt élevés. Ah bon? Mais j'ai l'intention d'utiliser le compte seulement pour l'argent gagné de mon emploi à temps partiel, et je ne vais pas mettre beaucoup d'argent dedans. Dans ce cas, tu devrais choisir celle qui a beaucoup de guichets automatiques et des frais de retrait faibles. Très bien. Merci pour tes conseils. Un homme et une femme parlent de banque. Quelle banque la femme va-t-elle choisir Je pense ouvrir un nouveau compte bancaire comme j'ai commencé un emploi à temps partiel. Quelle banque est bien à ton avis Eh bien, cela dépend de ce que tu recherches. Par exemple, la banque A et la banque B ont beaucoup de succursales et de guichets automatiques. Donc, ce sera plus commode pour faire des transactions financières. Mais il y a des frais de retrait chez la banque A à chaque fois que j'utilise leur guichet automatique. Ceux de la banque B me permettent de retirer gratuitement en semaine pendant la journée. Je vois. En parlant des frais de guichet automatique, la banque C est toujours gratuite, mais ils n'ont pas tellement de guichets automatiques. Je vois, mais je n'aime pas trop le fait qu'il n'ait pas beaucoup de guichets automatiques. Au fait, la banque D est la meilleure quand il s'agit de taux d'intérêt élevés. Ah bon? mais j'ai l'intention d'utiliser le compte seulement pour l'argent gagné de mon emploi à temps partiel, et je ne vais pas mettre beaucoup d'argent dedans. Dans ce cas, tu devrais choisir celle qui a beaucoup de guichets automatiques et des frais de retrait faibles. Très bien. Merci pour tes conseils. Quel itinéraire allons-nous prendre demain J'aimerais bien aller au musée, au château et à l'observatoire. Moi, j'aimerais également acheter des souvenirs en passant. Le musée est ouvert de huit heures à six heures, le château est ouvert de neuf heures à quatre heures. Quant à l'observatoire, il semble être ouvert à partir de neuf heures du matin jusqu'à neuf heures du soir. Le château a une visite guidée spéciale deux fois par jour, qui commence à midi et à quatorze heures. J'aimerais en joindre une. Je crois qu'il faut réserver cette visite en avance. Tu peux vérifier ça sur Internet? Oui. Oh. Celle qui commence à midi est déjà complète. Ce serait OK de réserver celle de quatorze heures. Bien sûr. Nous pouvons la joindre après le déjeuner. Où irons nous en premier? Le musée ou l'observatoire? J'aimerais bien profiter de la vue nocturne. Et si nous restions dans le château jusqu'à quatre heures et allions à l'observatoire à la nuit tombée? Bonne idée. Ok. Déjeunons au restaurant dans le musée. Ensuite, nous pourrons aller au magasin de souvenirs avant que la visite guidée ne commence. Bien sûr. Ce plan sonne parfait. Un homme et une femme prévoient l'itinéraire de leur visite touristique. Dans quel ordre vont ils marcher dans la ville? Quel itinéraire allons nous prendre demain? J'aimerais bien aller au musée, au château et à l'observatoire. Moi, j'aimerais également acheter des souvenirs en passant. Le musée est ouvert de huit heures à six heures, le château est ouvert de neuf heures à quatre heures. Quant à l'observatoire, il semble être ouvert à partir de neuf heures du matin jusqu'à neuf heures du soir. Le château a une visite guidée spéciale deux fois par jour, qui commence à midi et à 14 heures. J'aimerais en joindre une. Je crois qu'il faut réserver cette visite en avance. Tu peux vérifier ça sur Internet Oui. Oh, celle qui commence à midi est déjà complète. Ce serait OK de réserver celle de 14 heures Bien sûr, nous pouvons la joindre après le déjeuner. Où irons-nous en premier Le musée ou l'observatoire J'aimerais bien profiter de la vue nocturne. Et si nous restions dans le château jusqu'à 4 heures et allions à l'observatoire à la nuit tombée Bonne idée. Ok, déjeunons au restaurant dans le musée. Ensuite, nous pourrons aller au magasin de souvenirs avant que la visite guidée ne commence. Bien sûr, ce plan sonne parfait. Nous aimerions que vous conceviez l'emballage de nos nouveaux produits au chocolat. Nous prévoyons un double lancement de produits. L'un est un chocolat sucré, contenant 30% de cacao. L'autre est un aigre doux avec 80% de cacao. Je vois, donc vous voulez démarquer les lettres de 30 et 80% Oui, peut-être les mettre au milieu de l'emballage ou utiliser d'autres couleurs. Très bien, et si nous utilisions un emballage rouge avec 30% écrit en noir dessus pour le chocolat sucré et un emballage noir avec 80% écrit en rouge dessus pour les aigres doux Pourquoi pas Ou sinon, Utiliser des lettres dorées pour les deux? Je pense que cela représenterait mieux l'image de luxe. Bonne idée. Je pense que nous devrions également encadrer les lettres en blanc pour les rendre plus voyantes. En ce qui concerne la conception de la mise en page, serait il OK de mettre cacao en haut à gauche, puis une image du chocolat dans le centre, et le pourcentage de cacao en bas à droite? Oui, et utiliser une plus grande police pour le pourcentage, s'il vous plaît. J'aimerais également que ce soit écrit dans un style de police différent de celui du nom du produit et faire en sorte qu'il soit écrit en gras. Compris. Nous vous enverrons un mail quand les emballages seront terminés. Pour quand en avez-vous besoin Pourriez-vous les faire d'ici la fin de la semaine, si possible, s'il vous plaît D'ici la fin de la semaine. Ok, nous ferons de notre mieux. Une femme qui travaille pour la division de conception parle avec son collègue de l'équipe de recherche et développement. Choisissez les emballages appropriés des produits. Nous aimerions que vous conceviez l'emballage de nos nouveaux produits au chocolat. Nous prévoyons un double lancement de produits. L'un est un chocolat sucré contenant 30% de cacao, l'autre est un aigre-doux avec 80% de cacao. Je vois, donc vous voulez démarquer les lettres de 30 et 80% Oui. Peut-être les mettre au milieu de l'emballage ou utiliser d'autres couleurs Très bien. Et si nous utilisions un emballage rouge avec 30 écrit en noir dessus pour le chocolat sucré, et un emballage noir avec 80 écrit en rouge dessus pour les aigres doux Pourquoi pas Ou sinon, utiliser des lettres dorées pour les deux Je pense que cela représenterait mieux l'image de luxe. Bonne idée. Je pense que nous devrions également encadrer les lettres en blanc pour les rendre plus voyantes. En ce qui concerne la conception de la mise en page, Serait-il OK de mettre cacao en haut à gauche, puis une image du chocolat dans le centre et le pourcentage de cacao en bas à droite Oui. Et utilisez une plus grande police pour le pourcentage, s'il vous plaît. J'aimerais également que ce soit écrit dans un style de police différent de celui du nom du produit et faire en sorte qu'il soit écrit en gras. Compris. Nous vous enverrons un mail quand les emballages seront terminés. Pour quand en avez-vous besoin Pourriez-vous les faire d'ici la fin de la semaine si possible, s'il vous plaît D'ici la fin de la semaine. OK, nous ferons de notre mieux. Nous avons bien vendu entre décembre et février. Oui, les articles en édition limitée ont très bien fonctionné, mais je suis désolé que le nouveau produit lancé en mars ne se vende pas bien et ait fini par freiner les ventes pour ce mois. Nous avons eu un ralentissement des ventes en octobre et mars. En général, nos ventes ont été en constante augmentation, mais les ventes d'octobre ont été les pires ventes mensuelles du second semestre. Vous savez, nous avions un concurrent qui a ouvert son café dans ce quartier en octobre, et il a attiré nos clients au début. Je suis soulagée de voir que nos clients reviennent. Oui, les données de nos clients en fonction de leur sexe et de leur âge montrent que plus de la moitié de nos clients sont des femmes entre 20 et 30 ans. Cela signifie que nous devrons trouver de nouvelles idées de campagne pour garder ces clients à l'avenir. En plus de nos produits réguliers de café, nous pouvons essayer d'offrir plus de choix de plats d'accompagnement. Oui, mais environ 20% de nos clients sont des hommes entre 20 et 30 ans. Donc, nous avons besoin de penser à des services qui les attirent eux aussi. Je vois. Par exemple, un service de Wi-Fi gratuit pourrait être bon pour les hommes d'affaires. Je vois, réfléchissons-y. Les employés d'un café parlent de leurs ventes. Choisissez le graphique qu'ils regardent. Nous avons bien vendu entre décembre et février. Oui, les articles en édition limitée ont très bien fonctionné, mais je suis désolé que le nouveau produit lancé en mars ne se vende pas bien et ait fini par freiner les ventes pour ce mois. Nous avons eu un ralentissement des ventes en octobre et mars. En général, nos ventes ont été en constante augmentation. Mais les ventes d'octobre ont été les pires ventes mensuelles du second semestre. Vous savez, nous avions un concurrent qui a ouvert son café dans ce quartier en octobre, et il a attiré nos clients au début. Je suis soulagée de voir que nos clients reviennent. Oui. Les données de nos clients en fonction de leur sexe et de leur âge montrent que plus de la moitié de nos clients sont des femmes entre 20 et 30 ans. Cela signifie que nous devrons trouver de nouvelles idées de campagne pour garder ces clients à l'avenir. En plus de nos produits réguliers de café, nous pouvons essayer d'offrir plus de choix de plats d'accompagnement. Oui, mais environ 20% de nos clients sont des hommes entre 20 et 30 ans. Donc, nous avons besoin de penser à des services qui les attirent eux aussi. Je vois. Par exemple, un service de Wi-Fi gratuit pourrait être bon pour les hommes d'affaires. Je vois. Réfléchissons-y. Oui, ici le service clientèle. Excusez-moi. Je viens de recevoir mes achats, mais ce n'est pas ce que j'ai commandé. Nous sommes désolés. Qu'est ce qui ne va pas? J'ai commandé une veste avec trois boutons, mais celle que j'ai reçue n'en a que deux. Je vois, c'est sûrement le mauvais modèle. Nous sommes vraiment désolés. Nous allons l'échanger tout de suite, donc pourriez vous nous le renvoyer par pordu, s'il vous plaît? Oui. Aussi ce T shirt a une apparence différente de celui que j'ai vu sur votre site. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais, donc j'aimerais également le retourner. Qu'est-ce qui est différent Je croyais que c'était un t-shirt sans col, mais cela s'est avéré être un polo avec col. Je vois. Avez-vous déjà coupé l'étiquette Oui, mais ce n'est vraiment pas ce dont cela a l'air sur l'image. Je peux quand même le retourner Monsieur, nous avons ce t-shirt avec et sans col. Nos données indiquent que vous avez sélectionné celui avec. Vraiment J'ai dû cliquer sur le mauvais article alors. Nous pouvons échanger les produits à condition que l'étiquette soit attachée. Mais cela va être difficile si vous l'avez déjà coupé. Je vois. Alors, pouvez-vous seulement échanger la veste, s'il vous plaît Bien sûr. Encore une fois, nous sommes désolés pour le désagrément. Un homme fait une plainte au sujet des produits qu'il a achetés en ligne. Que va-t-il échanger oui, ici le service clientèle. Excusez moi, je viens de recevoir mes achats, mais ce n'est pas ce que j'ai commandé. Nous sommes désolés. Qu'est ce qui ne va pas? J'ai commandé une veste avec trois boutons, mais celle que j'ai reçue n'en a que deux. Je vois, c'est sûrement le mauvais modèle. Nous sommes vraiment désolés. Nous allons l'échanger tout de suite, donc pourriez vous nous le renvoyer par pordu, s'il vous plaît? Oui. Aussi, ce t-shirt a une apparence différente de celui que j'ai vu sur votre site. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais, donc j'aimerais également le retourner. Qu'est-ce qui est différent Je croyais que c'était un t-shirt sans col, mais cela s'est avéré être un polo avec col. Je vois. Avez-vous déjà coupé l'étiquette Oui, mais ce n'est vraiment pas ce dont cela a l'air sur l'image. Je peux quand même le retourner Monsieur, nous avons ce t-shirt avec et sans col. Nos données indiquent que vous avez sélectionné celui avec. Vraiment J'ai dû cliquer sur le mauvais article alors. Nous pouvons échanger les produits à condition que l'étiquette soit attachée. Mais cela va être difficile si vous l'avez déjà coupée. Je vois. Alors, pouvez-vous seulement échanger la veste, s'il vous plaît Bien sûr. Encore une fois, nous sommes désolés pour le désagrément.